Egunon, buenos días. Pruebas para los medios de comunicación. No sé si estáis ya todos conectados. Un, dos, tres. Ahí, correcto. Gracias. Luego no os quejéis, ¿eh?
Mila esker. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir de vous donner la bienvenue à la 8e conférence mondiale du Forum rural mondial. Je voudrais également saluer toutes les personnes qui nous suivent en streaming depuis différentes parties du monde. Pour les personnes ici présentes et celles qui nous suivent sur les réseaux, je voudrais vous dire que vous avez des hashtags dans différentes langues à votre disposition afin de partager avec d'autres personnes ce qui sera dit cette semaine. J'aimerais vous donner la bienvenue. Mais ça, c'était, les danseurs, c'était le salut d'honneur. L'aurescu, que nous ne dansons qu'en de très grandes occasions et qui montre à quel point il est important pour nous d'être ici aujourd'hui. C'était notre salut d'honneur. Alors, nous sommes ici aujourd'hui avec un objectif commun et indispensable, débattre et réfléchir sur la manière d'assurer la durabilité de notre planète en encourageant l'agriculture familiale à un moment où les défis environnementaux et alimentaires exigent le développement d'autres formules. L'agriculture familiale est un élément clé dans le développement mondial. Lors de cette conférence, nous nous réunissons ici, une communauté diversifiée de professionnels agricoles, d'universitaires, de responsables gouvernementaux, d'experts en développement et de défenseurs de l'agriculture durable, afin de partager les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques. Au cours des prochains jours, nous explorerons des moyens innovants pour améliorer la résilience de l'agriculture familiale, de protéger la biodiversité, de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et promouvoir des moyens de subsistance durables pour les communautés rurales du monde entier. Le Forum rural mondial nous réunit ici aujourd'hui non seulement pour parler, mais aussi pour agir ensemble. Nous avons le pouvoir de créer des changements significatifs et positifs dans nos communautés, mais aussi sur la planète. Grâce au dialogue, la collaboration et l'engagement, nous pouvons construire un avenir où l'agriculture familiale ne se contente pas de survivre, mais prospère en servant de modèle inspirant de durabilité pour les générations à venir. C'est dans ce but que nous nous sommes réunis ici aujourd'hui, les leaders de l'agriculture familiale des 5 continents, des représentants des gouvernements, d'institutions internationales, des centres de recherche, de fondations, de comités nationaux d'agriculture familiale, d'organisations de consommateurs, de jeunes et de femmes agricultrices. Il s'agit de près de 200 personnes provenant de plus de 55 pays qui participeront à la conférence en apportant leur contribution et en partageant leur expérience. 5 années se sont écoulées depuis le début de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale 2019-2028. C'est pourquoi cette conférence mondiale sur l'agriculture familiale offre une occasion unique de réfléchir aux principales réalisations, d'analyser les défis auxquels est confrontée l'agriculture familiale et qui sont devenus plus aigus ces derniers temps et accentuer, identifier les actions prioritaires et catalysatrices en vue d'intensifier la mise en œuvre de la décennie avec un ensemble de politiques. Les discussions et les accords sur d'éventuels nouveaux partenariats, le rôle des organisations agricoles familiales face aux défis climatiques, le régime foncier de la terre, le partenariat, le coopérativisme et les chaînes de valeur, la recherche participative et les processus de co-innovation pour une production alimentaire durable seront quelques-uns des éléments du débat et des recommandations qui émaneront de la conférence. Ainsi, le programme de la première journée, aujourd'hui, sera particulièrement axé sur le bilan de la décennie proclamée par les Nations Unies. Il y aura un événement spécial sur la contribution des comités nationaux de l'agriculture familiale à l'amélioration des politiques publiques en faveur du secteur. Et un deuxième événement sur la durabilité économique de l'agriculture familiale. Demain et après-demain, nous nous concentrerons sur la promotion de la jeunesse rurale et de l'autonomisation des femmes lorsque la conférence leur transmettra la direction de la conférence. Mais avant de commencer la conférence et de l'ouvrir officiellement, nous avons le privilège de recevoir un message très spécial de Sa Sainteté le Pape François qui sera lu par l'évêque de Vitoria. J'ai le plaisir de céder la parole à Monseigneur Juan Carlos Elizalde. Egunon gustioi.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Avec un grand plaisir et avec beaucoup d'affection, je vais vous lire le message du Saint-Père François au président du Forum Rural Mondial à l'occasion de sa 8e conférence mondiale du 19 au 21 mars 2024. Son Excellence Martin Uriarte Sugasabeitia, président du Forum Rural Mondial. Je salue chaleureusement les participants à la 8e conférence mondiale du Forum Rural Mondial intitulée « L'agriculture familiale, la durabilité de notre planète ». Les familles qui s'occupent de l'agriculture doivent être félicitées pour le soutien qu'ils apportent à leur travail ainsi que pour le respect et la délicatesse avec lesquels ils cultivent la terre. En ce sens, les agriculteurs familiaux sont essentiels pour rendre les systèmes agroalimentaires plus inclusifs, résilients et efficaces. Malheureusement, malgré leur rôle prépondérant dans le progrès de leur peuple et leur contribution considérable à la production alimentaire mondiale, ils continuent d'être frappés par la pauvreté et la rareté des opportunités. Conscients des défis complexes qu'ils doivent relever au quotidien, je voudrais adresser aux familles des petits agriculteurs un mot d'encouragement et leur rappeler la proximité de l'Église en réitérant l'appel à faire attention à leurs besoins humains, spirituels et sociaux, en plus de leurs besoins purement techniques. Confère message à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2014. L'entreprise familiale, au-delà d'être une entité productive, est le lieu d'appartenance des personnes, le lieu où elles se sentent comprises et valorisées dans leur dignité, et pas seulement pour ce qu'elles produisent ou pour les résultats qu'elles obtiennent. D'où l'importance de renforcer les liens qui unissent ses membres, de respecter leurs traditions religieuses, leur patrimoine culturel et leurs pratiques agricoles. Je voudrais également souligner le rôle irremplaçable du génie féminin dans ce contexte. Les femmes rurales représentent une boussole sûre pour leur famille, un point d'appui solide pour le progrès de l'économie, en particulier dans les pays en développement, où elles ne sont pas seulement des bénéficiaires, mais de véritables moteurs du progrès des sociétés dans lesquelles elles vivent. Je n'oublie pas non plus la place des jeunes dans l'agriculture. La véritable révolution pour un avenir alimentaire commence par la formation et l'autonomisation de la jeune génération. Le cadeau que les jeunes nous offrent, c'est le don de solutions innovantes à des problèmes anciens et le courage de ne pas être contraint par une pensée à courte vue, à courte durée qui résiste au changement. Message au directeur général de la FAO à l'occasion de l'ouverture du Forum mondial de l'alimentation 1er octobre 2021. Monsieur le Président, que Dieu bénisse les délibérations de cette réunion afin que, reconnaissant le rôle de la famille rurale, nous puissions progresser dans l'éradication de la faim, des inégalités et dans la protection de notre planète. Cité du Vatican, 12 février 2024, François. Muchas gracias. Monseigneur Elizalde, pido ahora al señor. Merci, Monsieur Elizalde. Maintenant, je demanderai à Monsieur Martin Uriarte, président du Forum Rural, de me rejoindre sur scène pour transmettre son message. Muchas gracias. Eskerrik asko. Merci beaucoup, eskerrik asko. Merci, Monseigneur, d'avoir lu ce message. Nous allons le transmettre à nos organisations, à toutes nos organisations des 5 continents. Merci, Monsieur Uriarte. Donc, nous aimerions maintenant vous dire que c'est un honneur que le pape François ait envoyé une lettre à la Conférence mondiale d'agriculture familiale. Nous savons que dans la salle, il y a de nombreuses religions et confessions présentes. Nous savons aussi que le pape François est une grande référence pour de nombreuses personnes dans le monde de l'agriculture familiale.
Nous allons continuer. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont urgents et concernent l'ensemble de l'humanité. Alors, sans plus attendre, donnons le coup d'envoi de cette 8e conférence au Palais Europa à Vitoria-Gasteiz. Puissent nos conversations être fructueuses, nos idées novatrices et nos actions transformatrices. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage important vers un avenir plus durable. Nous inaugurons donc la 8e conférence mondiale du Forum Rural Mondial avec les représentants des institutions qui sont avec nous aujourd'hui et à qui nous sommes infiniment reconnaissants. Les institutions qui participeront à cette cérémonie d'ouverture sont M. Martin Uriarte, président du Forum Rural Mondial, M. Bicho Rodos, vice-ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique Alimentaire du gouvernement basque, Ramiro González, député général du conseil provincial d'Álava, Maider Echeverria, María Begoña García Bernal, secrétaire d'État à l'agriculture et à l'alimentation au gouvernement espagnol, et Madame Josefa Leonel Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine. Nous allons commencer avec Monsieur Martin Uriarte, président du Forum Rural Mondial. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour en anglais, bonjour pour ceux qui parlent la langue française. Je tiens à remercier votre présence aujourd'hui, demain et après-demain. Vous êtes nombreux à nous accompagner, mais surtout je voudrais souligner l'engagement envers l'agriculture familiale des institutions qui sont ici. C'est un engagement auprès de l'agriculture familiale, c'est un engagement auprès de la sécurité familiale de nos générations à venir, car l'agriculture représente les garanties d'avenir. Je tiens à remercier dans un premier lieu les personnalités qui sont ici, Josefa Sacco, comme cela a été précisé il y a quelques secondes, la commissaire d'agriculture de l'Union africaine qui n'a pas pu se déplacer. Elle nous a envoyé une courte vidéo pour se présenter. Le vice-conseiller d'agriculture et pêche, Victor, la secrétaire d'État d'alimentation du gouvernement de l'Espagne, Madame García Bernal, le député général de la députation florale d'Alava, M. Ramiro González, c'est un honneur de vous avoir ici parmi nous, ainsi que les représentants des institutions qui vont nous accompagner, comme Mme Marcela Villarreal de la FAO, qui est ici dans la salle. Je tiens à la remercier vivement, car elle a choisi sa conférence en tant que sa dernière mission à la FAO. FAO, Marcela Villarreal, merci de votre travail, de votre engagement. Et je tiens également à remercier M. Alvaro Lario, qui est le représentant du FIDA, qui va nous accompagner tout au long de ces journées. C'est un honneur de vous avoir ici. Nous avons eu, bien sûr, le message du pape François, qui nous a rappelé le travail solidaire de l'agriculture familiale. Je remercie les personnes de plus de 55 pays qui sont ici avec nous, à nos côtés, qui nous enrichiront avec leurs contributions. La production de nos systèmes alimentaires est soumise à une énorme pression de par la crise énergétique et économique de ces dernières années, en même temps que nous souffrons les plus forts taux d'insécurité. Seulement 4 cultures, le blé, le riz, le maïs et le soja représentent le tiers de l'alimentation et une grande partie de ces productions agricoles ont disparu. Nos systèmes alimentaires sont plus vulnérables aux pestes et aux catastrophes naturelles. L'agriculture familiale est résiliente et elle doit relever d'énormes challenges. Elle continue à affronter une grande fragilité à mesure que 735 millions de personnes souffrent de la faim et la crise climatique a creusé encore plus les différences. La température a augmenté 2 degrés. Il est donc extrêmement difficile de préserver les
mesure est de protéger les cultures. Je continue à vous fournir quelques données. 45% de la terre est en main des femmes. Aujourd'hui, les agriculteurs du monde entier doivent combattre pour des prix justes pour leur production. Nous le voyons ici en Europe avec les grandes manifestations qui ont lieu et dont vous allez être témoin pendant ces journées de travail. Mais aujourd'hui, nous connaissons mieux les défis que jamais auparavant. L'agriculture familiale a plus d'alliés que jamais, comme nous avons également l'engagement de la décennie pour l'agriculture familiale. Je tiens à insister sur le fait que nous ne sommes pas ici pour décrire les énormes défis ou les problèmes interconnectés. Nous sommes ici plutôt pour agir avec la responsabilité qui incombe à chacun d'entre nous. Nous sommes ici pour reconnaître le rôle des agriculteurs familiaux, qui est essentiel pour l'avenir de la planète et pour agir en conséquence. Les agriculteurs familiaux doivent être choyés, soignés comme un trésor, car ils sont les gardiens de notre sécurité alimentaire, comme nous l'entendrons demain de l'ancien président Pepe Mujica. Nous sommes également là pour comprendre les stratégies, les interventions globales qui fonctionnent dans différents territoires. Nous sommes ici pour encourager la coordination entre les acteurs, pour assurer les partenariats stables et des engagements qui transcendent les individus. On demande de plus en plus aux agriculteurs familiaux de contribuer davantage à la réduction des inégalités ou à la transformation de leur production pour la rendre plus durable sur le plan environnemental, entre autres exigences, et je ne doute pas qu'ils soient prêts à le faire. Mais nous avons besoin de dialogue, d'engagement et d'incitation adéquate. Nous trouvons l'Équateur dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Une décennie qui, comme la plupart d'entre vous le savent, a été lancée par le Forum Rural Mondial que j'ai l'honneur de présider. Et lors de la conférence inaugurale de la décennie à Rome en 2019, le Forum a déclaré que son rôle serait de rappeler et d'éveiller les consciences afin que cette incroyable opportunité de la décennie de l'agriculture familiale ne soit pas perdue pour améliorer la vie de tous les agriculteurs. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui, pour placer la décennie de l'agriculture familiale en tête de l'agenda des gouvernements, des organisations internationales, des organisations agricoles. Et nous sommes ici pour déployer tout notre potentiel. Et il est vrai que nous constatons qu'au cours de ces 5 années de mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, 2019-2028, nous avons fait des progrès significatif, mais clairement insuffisant. Nous ne pourrons relever les défis que si nous redoublons d'efforts, si nous progressons dans la reconnaissance du rôle vital et en plaçant l'agriculture familiale au centre pour répondre à la crise climatique et si nous identifions notre soutien pour déployer tout notre potentiel. Permettez-moi de saluer tout particulièrement les jeunes agriculteurs et agricultrices qui nous encouragent, qui sont l'avenir de l'agriculture familiale et qui me succéderont à la tête de la conférence les 2e et 3e jours. Vous entendrez souvent le Forum Rural Mondial dire que nous avons besoin de plus d'ambition et que les actions de la décennie sont encore à petite échelle et qu'elles ont un potentiel de croissance majeur. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Il est absolument nécessaire pour la sécurité alimentaire et l'avenir de la planète de renforcer l'agriculture familiale. Il n'y a pas d'autre forme de production qui puisse assurer l'équilibre des territoires, la résilience alimentaire et le bien-être des populations dans un contexte de changement climatique. D'ici à la fin de l'année 2028, nous aurons la responsabilité commune de regarder en arrière, d'évaluer si la situation des agriculteurs familiaux individuels est plus digne et de nous rappeler que l'avenir durable de l'agriculture familiale est entre nos mains et non entre la main de la génération future. Profitez de ces journées, soyez les bienvenus à cette 8e conférence mondiale. Merci. Nous passons à Madame Josefa Lionel Sacco, commissaire d'économie locale et agriculture de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais dans un premier temps
évoquer, faire des réflexions par rapport à cette conférence mondiale qui aborde la durabilité de notre environnement, l'agriculture familiale et la forme plus répandue de production d'aliments, notamment dans des pays en voie de développement. Et donc, plus de 90% de ces 570 millions d'exploitations agricoles familiales au travers le monde sont gérées par des familles et dépendent énormément de leur travail. L'agriculture familiale produit plus de 80% des aliments consommés au travers le monde. Ceci renforce l'importance de l'agriculture familiale dans le domaine de la sécurité alimentaire aujourd'hui et à l'avenir. Il y a plus de 100 millions d'exploitations d'agriculture familiale dans l'Afrique subsaharienne qui sont dans l'agriculture, l'élevage, et l'on reconnaît leur rôle majeur afin de renforcer la durabilité. Et l'on a reconnu l'importance de la décennie de l'agriculture familiale en 2014. Et l'Assemblée générale des Nations unies considère cette période comme la décennie de l'agriculture familiale. Cette résolution nous montre que les agriculteurs familiaux sont des leaders qui recherchent aboutir à l'agenda 2030, notamment en assurant la sécurité alimentaire, en éradiquant la pauvreté, en permettant la biodiversité et en réalisant la durabilité environnementale ainsi qu'en abordant la question de la migration. L'agriculture familiale mondiale se heurte aux conséquences du changement climatique qui met en péril leurs terres et leurs produits ainsi que leur vie dans de nombreuses régions. C'est donc pour cette raison que nous devons promouvoir la durabilité de l'agriculture familiale. Et à cet égard, le pilier 6 du plan d'action mondial vise à accélérer les actions menées de façon collective, qui prétend promouvoir la durabilité de l'agriculture familiale pour la durabilité de l'agriculture familiale. La décennie nous offre une opportunité unique de progresser à cet égard. L'Union africaine fait déjà beaucoup pour faire avancer cette idée. L'Union africaine a un partenariat de longue durée en matière de sécurité alimentaire et de renforcement de la résilience avec des partenaires de développement tels que l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et bien d'autres. L'Union africaine collabore actuellement avec la Banque mondiale pour mettre en œuvre 2,7 milliards de dollars américains sur une période de 9 ans afin de mettre en place un système alimentaire résilient. En Afrique orientale et australe, une réponse à la demande exprimée par les dirigeants africains et les praticiens et le dialogue des dirigeants sur la sécurité alimentaire en Afrique qui se tiendra à Kigali, au Rwanda, en 2019. Dans ce cadre, l'Union africaine renforcera, entre autres, la résilience du système alimentaire du continent en réunissant les dirigeants techniques et politiques du continent autour des thèmes essentiels, notamment les engrais, la santé des sols, la gestion post-investissement, les systèmes d'alerte précoce et les technologies intelligentes face au climat. Et nous espérons donc qu'à travers cet engagement, l'Afrique augmentera de manière significative son engagement et ses investissements dans l'agriculture familiale. Et je vous souhaite donc de fructueuses délibérations et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Madame Lionel Sacco. Vous avez dans vos petites sacoches des écouteurs pour l'interprétation. Et vous avez sur votre droite la possibilité de vous connecter. Donc, nous allons passer la parole maintenant au vice-ministre d'Agriculture, Pêche et Politique Alimentaire du gouvernement basque, Monsieur Bitor Oroz. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Pays Basque, à Euskadi. Je m'exprimais il y a quelques secondes dans ma langue, la langue du Pays Basque, l'euskera. Bienvenue ici à ce petit pays très enraciné dans la tradition, mais qui a les bras ouverts et qui est heureux de vous recevoir et d'être le siège de ce forum mondial. Et je tenais à vous féliciter de ces 25 années d'intense travail et vous remercier de ce travail qui aboutira à des défis, mais également qui mettra des solutions sur la table. Cette décennie nous pousse à réfléchir sur la direction que doit prendre l'agriculture. L'agriculture est aujourd'hui, et l'élevage sont la clé qui nous ouvre la porte au monde afin de relever les grands défis majeurs, le changement climatique par exemple. Si nous sommes à même de gérer nos exploitations agricoles, nous pourrons donc réduire le réchauffement global. Ce sera un grand défi, mais également nous arriverons à nous nourrir et à produire les produits dont nous avons besoin. Et un pas de plus devra être fait pour organiser cette agriculture familiale qui représente plus de 80% aujourd'hui de la production des aliments au monde et qui représente 80% des terres à l'échelle planétaire. Ceci contribue au développement rural, à l'autonomisation des femmes, à l'inclusion des jeunes, ainsi que le développement des différentes régions. Et il nous faut construire un monde nouveau où l'agriculture familiale sera la colonne vertébrale. Il y a certainement des soucis, des obstacles que nous rencontrons, les grandes multinationales qui monopolisent le foncier, la compétence d'usage, l'énergie doit également prendre sa place et il faudra faire place à ces énergies renouvelables. Nous avons besoin d'espace, mais nous avons besoin de nous nourrir de produits alimentaires. Et ces journées de débat vont être très intéressantes. Nous allons pouvoir aborder ces différents défis. Et nous aurons l'occasion de voir de près les manifestations des agriculteurs européens, protestations, manifestations qui sont en lien étroit à la valeur de la chaîne alimentaire, à la durabilité. Nous pensons souvent que celle-ci est environnementale, mais cela n'est pas seulement le cas. La durabilité doit être sociale, il doit y avoir un équilibre social et les nouvelles activités doivent déboucher sur une durabilité économique. Si nous ne sommes pas à même d'être rentables, nous ne pourrons pas aboutir à un système stable. Il est donc important de nous munir d'instruments juridiques afin de pouvoir aboutir à une stabilité environnementale, économique et sociale. Nous avons donc la loi alimentaire de l'État que nous devons respecter et que nous prenons en tant que référence, une chaîne juste pouvant attirer les jeunes et qui encourage le rôle des femmes. Il nous manquerait un cadre juridique supplémentaire que nous appelons de nos voeux. C'est une loi d'agriculture familiale. Il nous faut absolument jeter les bases d'un cadre clair pour promouvoir l'agriculture. Il nous faut une agriculture durable
liée étroitement à la durabilité environnementale, économique et sociale, et qui utilise en tant que levier l'agriculture familiale. Donc j'espère que pendant ces journées, vous allez profiter de votre séjour, de vos échanges. Nous sommes un pays ouvert et nous vous accueillons les bras ouverts ici à Vitoria. Merci. Profitez bien de vos journées ici à Euskadi. Merci, Monsieur Oroz, Vitor Oroz. Nous passons la parole maintenant à Madame Maria Begoña Garcia-Mera, secrétaire d'État d'Agriculture et Alimentation du gouvernement de l'Espagne. Buenos días, Egunon. Bonjour, vice-ministre d'Agriculture, conseiller régional d'Alava, président du Forum rural. Mes premiers mots sont des mots de remerciement. Merci, Madame la déléguée du gouvernement, de m'accueillir ici à Vitoria. Merci, Monsieur le Président du Forum, de me permettre de participer à une rencontre si nécessaire comme celle-là. Nous ne pouvons pas oublier la pertinence de l'agriculture familiale ici, dans ce pays, en Europe et au travers le monde. Je crois fermement que l'agriculture familiale doit être mieux soignée. Il est temps de la mettre au cœur de nos débats afin d'aboutir aux synergies nécessaires nous permettant de mettre en œuvre des politiques publiques rendant plus facile la vie professionnelle, mais également professionnelle à tous ceux qui travaillent dans la filière agroalimentaire et tous ceux qui ont des petites ou des moyennes exploitations qui ne sont que des, en quelque sorte, que des exploitations familiales. Quand je pense à l'agriculture familiale, je pense souvent au nord de ma terre, l'Extrémadure. Quel est le meilleur exemple pour parler de cette agriculture familiale? Les petites agricultures sont nombreuses. Les cerisiers, le tabac, les poivrons, où ce travail agricole s'est transmis de père en fils. Et dans cette région, comme dans d'autres régions, et je tiens à mentionner le travail que j'ai mené en coopération au développement au Costa Rica, au Salvador, en Bolivie, et j'ai travaillé afin d'encourager l'autonomisation des femmes en tant que femmes au foyer, mais également leaders sur le terrain. Les exploitations familiales comptent également sur ces femmes qui sont un axe vertébrateur et sont un élément clé dans le développement rural. Et en recherchant, avec le soutien des institutions, de nouveaux modèles de production plus durables et plus modernes, des modèles connus de par leur capacité stratégique. Ne l'oublions pas, le secteur alimentaire est un secteur stratégique et clé pour ce pays, qui offre des alternatives d'emploi à des jeunes et des femmes. Et de par la modernisation et la numérisation de cette filière, et afin de changer les villes et de mettre fin aux stéréotypes, il faut soutenir le secteur, bien sûr, mais il faut le soutenir avec des faits et non pas avec des fausses promesses. Il faut créer et tisser des liens avec le monde rural, des réseaux qu'il faudra alimenter et protéger. Il est donc essentiel de promouvoir les groupes d'action locales, les réseaux de développement, des réseaux qui vont se renforcer au fil du temps, mais également des réseaux qui vont construire des systèmes alimentaires à même de récupérer les défis auxquels nous nous heurtons. Il existe de nombreux outils dans le domaine de l'agriculture, de nombreux exemples. Un bon exemple en est le Pays Basque avec ses coopératives, des espaces de solidarité et de transparence.
de conseils d'apprentissage intergénérationnel, mais surtout et avant tout d'union. Toutes les personnes ici présentes, nous connaissons l'importance et la portée de ces coopératives. Les coopératives font partie du tissu économique, de l'économie sociale d'une région ou d'un pays et sont, dans de nombreux cas, le levier économique des peuples. Et quand, au moment le plus difficile de la pandémie, ces coopératives ont démontré leur résilience. Les coopératives représentent l'union des agriculteurs, hommes et femmes, et sont le résultat du travail et de l'investissement avec un objectif en tête, celui de créer de la richesse et créer des emplois à l'échelle planétaire. Et lorsque nous parlons d'emploi, nous sommes face à un défi majeur. Dans les prochaines années, 2 agriculteurs sur 3 vont partir à la retraite. Les jeunes ne souhaitent pas prendre la relève. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Il y en a plusieurs, mais peut-être l'une des raisons plus importantes, c'est qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ces jeunes n'ont pas accès au foncier et n'ont pas de terre pour pouvoir entamer leur activité. C'est un problème auquel nous heurtons, c'est un problème des administrations. Il faut absolument leur tendre la main. Et c'est pour cette raison que le ministère d'Agriculture, Pêche et Alimentation, nous voulons aller plus loin. Le gouvernement d'Espagne a créé un groupe de travail de terres agricoles infra-utilisées qui envisage des alternatives et des solutions nous permettant d'avancer dans la récupération des terres abandonnées en Espagne et encourager son utilisation. Il est crucial d'améliorer l'accès au foncier afin de relever un défi environnemental, social et territorial majeur, tel que c'est le fait de garantir la relève générationnelle. Ce type d'initiatives qui nous sont chères et que nous encourageons ne recherche que de soutenir qu'une chose, c'est soutenir les femmes et les jeunes. Ce gouvernement, le gouvernement d'Espagne, s'engage auprès des jeunes et souhaite inclure les femmes dans la filière et plus particulièrement dans l'agriculture familiale. Il y a quelques mois, nous avons, pendant notre législature, comme l'a dit le vice-ministre, nous avons donc rédigé une loi nationale de l'agriculture familiale. Avec cette loi, nous souhaitons promouvoir et encourager le modèle, le petit et moyen modèle d'agriculture, d'exploitation familiale. Nous souhaitons faire en sorte que cette norme ait un caractère transversal pour combler les lacunes existantes à l'heure actuelle. Les jeunes agriculteurs et agricultrices sont à la base de ce modèle agricole familial que nous appelons de nos voeux. Et nous allons donc organiser un processus participatif avec les principaux représentants du secteur, parmi lesquels se trouve le Comité espagnol pour l'agriculture familiale, aux côtés, bien sûr, des communautés autonomes, aux côtés des femmes, aux côtés des jeunes, afin de pouvoir rédiger ce projet de loi avant sa présentation, afin que le contenu soit rédigé avec la collaboration de tous les agents et acteurs de l'agriculture familiale. Je ne me lasse de répéter qu'il faut travailler main dans la main afin de pouvoir réaliser tous nos objectifs. Nous avons besoin d'être unis et soutenir tout le secteur. Celui qui se manifeste, celui qui ne le fait pas, celui qui réclame ses droits, un droit de rentabilité économique des exploitations, et ceux qui sont aujourd'hui en train de travailler. Il nous faut
continuer à parler de l'agriculture familiale, de l'économie sociale, de la modernisation des systèmes d'irrigation et l'utilisation efficace de l'eau, qui est un bien précieux, et ainsi que la numérisation de l'agriculture et le fait d'attirer les jeunes femmes et les femmes. Oui, les femmes, nous représentons plus de 50% de la population. Il faut que nous soyons présentes dans plus de 50% des institutions et des exploitations. Il faut mettre fin au toit de verre. Il faut de la FAO. Il faut FAO. Sans nous, il n'y a pas de fixation du territoire dans l'agriculture. Sans les femmes, il n'y aura pas de monde rural. Il nous faut donc aborder la nouvelle politique agricole commune, ses avantages, ses inconvénients, mais ceci représente plus de 20% de soutien aux revenus des agriculteurs et agricultrices. Il faut évoquer l'inclusion, il faut évoquer également la perspective de genre qui est inclue dans la nouvelle politique agricole commune, dans son pilier 1, le pilier 1 de la politique agricole commune, qui a été promu par le ministre d'Agriculture, Pêche et Alimentation de ce pays, par M. Planas. C'était aussi le même ministre qui a parti des clauses miroirs dans le cadre des accords commerciaux. Nous devons parler de la loi de chaîne alimentaire, comme nous le disait le vice-ministre, bien sûr. Nous devons améliorer les inspections. Nous devons parler de la chaîne de valeur. Nous devons parler des coûts de production. Nous devons couvrir ces coûts de production. Nous devons continuer à travailler dans cet observatoire des prix. Je suis à 100% persuadée que nous pouvons mener à bien tous les bénéfices possibles afin que l'agriculture familiale occupe socialement l'espace qu'elle mérite. Car économiquement parlant et du point de vue de l'environnement, elle le fait déjà depuis très longtemps. Merci beaucoup pour votre attention. Eskerrik asko. Merci beaucoup pour vos paroles, Madame García Bernal. Et maintenant, nous avons Monsieur Ramiro González, député général du Conseil provincial de Álava. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir d'être ici parmi vous ce matin et profiter de cette séance d'ouverture de la conférence. Bienvenue. Je remercie le Forum Rural Mondial d'avoir organisé cette conférence dans notre territoire de Álava. Je suis sûre que vous allez passer un très bon séjour parmi nous. Vous allez découvrir un territoire accueillant et industriel. Álava, avec 32% de notre PIB qui dépend de l'industrie, mais en même temps un territoire éminemment agricole. Álava réunit les deux secteurs. Nous sommes le territoire le plus industriel de l'État espagnol, un des plus industrialisés aussi en Europe. Mais en même temps, nous sommes le garde-manger du Pays basque et le territoire le plus agricole de la communauté autonome basque. Voilà notre signe d'identité. Du point de vue de l'agriculture, nous avons des valeurs. L'enracinement. La famille, très liée à l'environnement, à la maison qui s'appelle Baserri, la ferme basque. C'est une culture de la ferme basque qui a été transmise de génération en génération. Soigner, s'occuper de la terre, c'est une façon d'être et qui nous définit en tant que peuple et en tant que territoire. Pour tout cela, notre premier secteur, le secteur d'Álava, est caractérisé par un fort lien avec nos peuples et villages. Nous avons plus de 300 villages dans notre territoire. Des familles qui, chaque jour, concentrent leur activité sur l'alimentation de la société éminemment urbaine, mais qui est très, très liée au monde rural.
un territoire arabe avec de grandes différences agroclimatiques qui caractérisent la production. Un territoire riche, divers, avec plus de 100 000 hectares de cultures, céréales, pâturages, prairies et vignobles. La structure des exploitations agraires de Alaba sont caractérisées parce que la surface moyenne est de 56 hectares. C'est un reflet des mini-propriétés foncières qui caractérisent l'agriculture à Alaba. C'est aussi le signe du caractère familial de nos exploitations. Quels sont les défis du secteur primaire? C'est des défis urgents. D'abord, améliorer la compétitivité du secteur agricole en favorisant l'innovation productive et la diversification. En transformant la durabilité dans l'axe principal sur lequel s'appuie l'activité agroforestière. Le deuxième défi, favoriser la relève générationnelle et l'autonomisation de la femme dans l'agriculture. Et il est important de promouvoir le développement humain, l'amélioration des conditions de vie des exploitations agricoles. Il est indispensable de mettre en œuvre de nouvelles technologies et services associés et des nouvelles pratiques agricoles. Troisième défi, digitalisation de l'activité agricole. En impulsant l'innovation à travers l'utilisation d'outils de smart farming, afin de moderniser l'activité, améliorer la rentabilité et consolider l'excellence des productions. Il faut savoir que certains aspects de la conception et gestion des politiques agricoles européennes sont allés contre les besoins des secteurs productifs les plus familiaux, en empêchant les administrations les plus proches, c'est-à-dire les administrations locales, de donner une réponse aux demandes du secteur. Nous impulsons des actions pour faire du premier secteur de notre territoire un secteur plus résilient et un secteur plus adapté afin de toucher un territoire plus cohésif. Nous devons faire un appel aux institutions européennes afin de pouvoir répondre aux demandes du secteur rural et agricole parce que on nous exige de répondre à ce que tous ces agriculteurs disent dans leurs manifestations. Donc, il y a des actions prévues par la Diputación Foral de Álava, c'est le conseil provincial. Nous travaillons maintenant la main avec le secteur et les organisations qui le représentent. Ce secteur, c'est le premier maillon d'une chaîne alimentaire où nous sommes tous et toutes, donnant-lui l'importance qu'il mérite. N'oublions pas qu'il est essentiel pour tous les territoires, car c'est la source d'approvisionnement en aliments. Je répète, ces dernières semaines, ce secteur primaire agricole nous interpelle. Il se manifeste devant les administrations publiques et nous interpelle, nous, les élus. Ce secteur demande notre attention. Face à cette interpellation, nous ne pouvons pas tourner le dos à leur demande. Toutes les administrations, toutes, chacune dans la mesure de leurs compétences, nous devons être courageuses et faire des pas en avant. C'est le moment d'exiger aux institutions européennes d'écouter les gouvernements nationaux, sous-nationaux, et aborder des questions comme la concurrence déloyale des importations de pays tiers, les mécanismes de régulation du marché pour garantir des prix rentables pour les agriculteurs, la protection et optimisation du sol agricole en reconnaissant sa valeur environnementale, la flexibilisation des règlements communautaires pour s'adapter aux réalités productives locales et de petite taille, et la simplification de la paperasserie administrative. Un travail consolidé qui renforce le premier secteur avec un cadre de gouvernance dynamique et adapté aux besoins de chaque instant. Voilà le défi et j'espère que cette conférence servira à avancer et à surmonter ces défis. J'espère que cet événement sera productif et que vous profitiez de notre ville et de notre province. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer aux présentations d'ouverture intitulées « Le rôle protagoniste de l'agriculture familiale dans la durabilité de la planète ». D'abord, Monsieur Álvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole FIDA et chair de ONU-O. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le monde universitaire. La gestion d'actifs dans le secteur privé, le groupe de la Banque mondiale et les Nations unies
Et il a été vice-président adjoint des opérations financières du FIDA. Sous sa direction, le FIDA est devenu le premier fonds des Nations Unies à entrer sur les marchés des capitaux et à obtenir une notation de crédit, ce qui lui a permis d'étendre ses efforts de mobilisation des ressources au secteur privé. C'est un plaisir de pouvoir vous saluer. Monsieur Lario, je vous donne la parole. Buenos días, señoras y señores. Bonjour, mesdames et messieurs. Egunon, en basque. Au nom du Fonds international de développement agricole, j'aimerais remercier d'abord le Forum rural mondial et son président, M. Martin Uriarte, pour m'avoir invité aujourd'hui. Et en basque, la même chose. Merci à la ville de Vitoria. J'aimerais remercier le gouvernement de l'Espagne pour sa collaboration depuis longtemps avec le FIDA. C'est la 25e année du Forum. Et lors d'autres éditions, nous sommes enchantés une fois de plus de partager ce moment avec vous. Le rôle protagoniste de l'agriculture familiale dans la durabilité de la planète, c'est un thème central pour le FIDA et étroitement lié avec sa mission. Comme vous le savez, notre mission, c'est de mettre un terme à la pauvreté rurale et à la faim en investissant dans les personnes rurales du monde entier qui se consacrent à la pêche, l'agriculture familiale et le pâturage à petite échelle. Ça fait 45 ans que nous travaillons pour garantir que tous ceux et celles qui se consacrent à l'agriculture familiale disposent des outils, des ressources et des politiques nécessaires pour mener à bien leur développement. Ce n'est pas une tâche facile ni petite. Il y a 570 millions d'exploitations agricoles dans le monde et la plupart d'entre elles sont de petite taille. 90% de ces exploitations sont familiales. Ici en Espagne, plus de la moitié des exploitations ont moins de 5 hectares. Par ailleurs, pour les petits agriculteurs, l'agriculture n'est pas une activité bien rémunérée. Différentes études montrent que les petits agriculteurs reçoivent seulement 6 ou 7 centimes par euro du prix final des aliments. Cependant, l'agriculture familiale approvisionne plus de 2 milliards de personnes et c'est leur sécurité alimentaire aussi. 70% de la population mondiale dépend des petites exploitations de moins de 5 hectares pour pouvoir acheter les aliments. C'est important pour la sécurité alimentaire, l'agriculture familiale, et pas seulement du point de vue des calories. Les personnes qui sont dans l'agriculture, dans le pâturage, dans la pêche, à petite échelle, produisent une grande partie du poisson, des fruits et des légumes qui gardent notre santé. Dans le monde, les personnes qui font de l'agriculture familiale font face à l'augmentation des températures, à la sécheresse et à un climat de plus en plus extrême et difficile à prédire. Leurs efforts sont vitaux pour nous tous. C'est un défi qui nous touche tous et toutes. Les petits producteurs ont un rôle fondamental dans l'adaptation au changement climatique et la lutte contre celui-ci, mais aussi dans la protection de la biodiversité. Ils nous aident à gérer les ressources, surtout l'eau et le sol, et sont l'axe de nombreuses économies et communautés rurales. Maintenant, je passe en anglais. Mes chers collègues, mes amis, le dialogue de cette conférence sur l'agriculture familiale est très important. Meeting of the Farmers Forum hosted by IFAD in Rome last. Comme cela a été dit à Rome la semaine dernière, il y a un mois, eu cette information. Il y a l'urgence et le besoin de soutenir les petits agriculteurs pour les aider à affronter les défis associés au changement climatique. Les pratiques agricoles doivent être plus durables. Nous devons être capables d'offrir aux consommateurs des produits plus sains et durables. Nous transformons les systèmes alimentaires et pour cela, il faut impliquer les jeunes et les femmes. Les femmes font partie de la main d'œuvre rurale en tant qu'agricultrices,
mais aussi en tant qu'entrepreneur. Mais souvent, elles souffrent la discrimination de genre. Nous voyons que dans toutes les régions du monde, les problèmes d'insécurité alimentaire sont plus importants pour les femmes que pour les hommes. Elles ont moins d'accès aux terres, moins d'accès au financement que leurs homologues hommes. En Afrique, Asie-Pacifique, Amérique latine, l'agriculture est une source très importante de revenus pour les jeunes. Et grâce aux investissements, nous pouvons attirer les jeunes et leur offrir une moyen de vie, un projet de vie viable et rentable. L'association entre le FIDA et le Forum Rural Mondial est très important car il aide les futures générations. Notre collaboration avec le FRM s'est traduite par une assistance technique aux comités régionaux d'agriculture familiale. La décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale a été très importante pour guider les gouvernements, les agences de l'ONU et les institutions financières. La décennie les a encouragés à développer des politiques visant à soutenir l'agriculture familiale. Nous avons pu asseoir les bases pour l'espoir et dont les agriculteurs familiaux assureront nous qu'ils sont le noyau principal du futur de l'agriculture. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos paroles. Nous allons continuer avec l'intervention de Madame Marcela Villarreal. Elle est directrice de la division des partenariats de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, depuis 2012. Elle est responsable de la mise en œuvre des stratégies de partenariat innovantes de la FAO avec le secteur privé, la société civile, les universités et les instituts de recherche. Elle a commencé sa carrière à la FAO en 1996 en tant que chargée de recherche socioculturelle principale. Elle a ensuite travaillé en tant que chef du service de la parité des populations et directrice de la division de la parité, de l'équité et du développement rural. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Je crois que c'est un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Martine le disait déjà, ça c'est la dernière mission de ma carrière dans les Nations Unies, ça fait 34 ans déjà. Et ma dernière mission est formidable, c'est d'être ici avec vous lors de cette 8e conférence mondiale du Forum Rural Mondial qui porte sur un sujet qui est véritablement essentiel pour nous à la FAO et qui est fondamental pour le monde entier. J'aimerais profiter pour féliciter le Forum Rural Mondial pour ses 25 ans d'existence. 25 ans très productifs. Et à la FAO, nous sommes très fiers d'avoir pu cheminer main dans la main avec vous et d'avoir atteint de grandes réalisations pendant ces 25 ans, comme l'année internationale de l'agriculture familiale qui a mobilisé par le Forum Rural Mondial. Et sans le Forum, nous n'aurions pas pu avoir cette année. Merci à tous les efforts du FRM pour tout cela. Et la décennie, comme disait Martine, c'est notre décennie, on est à la mi-chemin. Une décennie où on arrive à l'équateur de la décennie. On a beaucoup réussi, il y a beaucoup à faire encore. Et nous allons le voir pendant les prochains jours. Le Forum Rural Mondial a été un véritable allié, très très fort pour nous à la FAO. Avec le Forum Rural Mondial, nous avons partagé des valeurs, des perspectives. Nous partageons l'importance que nous donnons au cœur de l'agriculture familiale dans le système alimentaire. Nous partageons la vision suivante. Sans agriculture familiale, sans autonomisation, sans la voix des agriculteurs familiaux et des paysans, nous ne pourrons pas avancer vers... Le thème de la conférence est justement d'avoir une planète plus durable. J'aimerais revoir aujourd'hui un certain nombre de réflexions. Réfléchissons sur le système alimentaire mondial. Le système alimentaire mondial a de graves problèmes.
J'aimerais souligner cette question. Grave défaillance. Le système alimentaire mondial produit la faim. C'est une faim qui augmente, famine qui augmente. 735 millions de personnes qui souffrent de la famine chronique. Mais la faim aiguë qui augmente. On a doublé le nombre de personnes qui sont en situation de faim aiguë, surtout dans les situations de crise. Parce que c'est des personnes qui craignent pour leur vie si elles ne reçoivent pas de soutien. Le système alimentaire mondial produit la faim, mais aussi suffisamment d'aliments pour alimenter chacun des êtres humains présents sur la planète. En même temps qu'il produit la faim, il y a l'autre face de la malnutrition, le surpoids, l'obésité. À la FAO, on a un chiffre, 772 millions de personnes adultes qui sont obèses. Il y a 2 semaines, il y a une nouvelle étude publiée sur le Lancet. Ce chiffre de personnes en situation d'obésité atteint le chiffre de 1 milliard. Un chiffre qui augmente rapidement dans certaines régions plus vite que dans d'autres. Et ça augmente plus vite que la faim. Ça fait partie du même système alimentaire mondial, n'est-ce pas? Et en même temps que ce système alimentaire mondial produit tant de faim, et elle produit beaucoup de déchets, et un tiers des aliments produits sont jetés. Que ce soit pendant la production, la consommation, les pertes et les déchets alimentaires sont énormes. C'est un système alimentaire qui devrait être plus égalitaire, égalité de genre. C'est un système qui pourrait alimenter davantage de personnes. Il pourrait résoudre un grand nombre de problèmes des populations, mais de façon inhérente, ce système parfois alimente les inégalités de genre. Nous le savons, car nous avons fait des études. Si les femmes, je ne parle pas de situation absolument inatteignable, si les femmes avaient le même accès aux ressources productives dans l'agriculture que les hommes, nous ne pensons pas à la Lune, on pense avoir une égalité par rapport aux hommes. Si elles avaient le même accès dans la production agricole, cette production augmenterait, la productivité augmenterait et les chiffres de la faim baisseraient. 250 millions de personnes pourraient sortir de la famine. De façon inhérente au système agricole mondial, il faut faire attention. L'égalité des genres pour la sécurité alimentaire. Un autre paradoxe de ce système alimentaire mondial est le suivant. Il produit 30%, et certains disent 36% des gaz à effet de serre. C'est le système agroalimentaire contribue à la production de gaz à effet de serre et au changement climatique. Pas seulement du CO2, c'est méthane aussi et d'autres gaz. Donc directement, le système alimentaire mondial produit des gaz nocifs et qui contribuent au changement climatique. Le système alimentaire mondial utilise 70% de l'eau disponible. Le secrétaire d'État le disait, 70% de l'eau douce. Mais ça, c'est juste une moyenne mondiale. Si nous parlons des pays pauvres, 90% ou plus de l'eau douce est utilisée dans l'agriculture. Nous savons que le changement climatique, en termes simplistes, c'est de l'eau. L'effet, c'est l'eau. Il y a trop d'eau ou pas assez d'eau pour l'agriculture. C'est les effets du changement climatique, du dérèglement climatique. Et c'est l'agriculture qui utilise le plus cette ressource si importante. Ceci dit, il y a un rapport très clair entre le système alimentaire mondial et le changement climatique. Mais en même temps, ceux qui souffrent le plus des effets du changement climatique sont les agriculteurs. Surtout les petits agriculteurs et surtout les agriculteurs familiaux. Un autre paradoxe du système alimentaire mondial, à savoir les alimentations saines. Selon la FAO, une grande proportion des êtres humains de la planète, c'est 3,1 milliards de personnes, n'ont pas accès au régime sain. Parce que c'est cher, parce que c'est des aliments chers. Et on se dit, mais pourquoi les régimes sains sont plus chers que le fast-food? Quelle est la logique derrière tout ça?
Ceci contribue à malnutrition qui est l'obésité. Qui produit d'une manière plus saine, qui produit d'une manière plus durable? Eh bien, c'est l'agriculture familiale. Et cependant, lorsqu'on discute de la question des aliments sains, rarement on ne parle du soutien dont ont besoin les agriculteurs familiaux pour pouvoir produire davantage ces aliments sains, nécessaires au régime sain, et pour une partie de l'équation, c'est-à-dire l'objectif de développement durable numéro 2. Ce n'est pas seulement d'éradiquer la faim, c'est d'éradiquer toutes les formes de malnutrition, y compris le surpoids, les déficiences en nutriments et l'obésité. Ainsi, il est fondamental que le monde se rende compte de tout cela sans un soutien direct, clair et net à l'agriculture familiale. Je vous parle de politique, d'engagement des gouvernements, d'investissement, d'allouer une partie des budgets nationaux à l'agriculture familiale. Sans cela, nous ne pourrons pas avancer vers la durabilité de cette planète. Nous n'allons pas pouvoir faire des progrès dans le domaine de l'alimentation saine, à la portée de tous et de toutes. Les agriculteurs familiaux ont la solution entre leurs mains. Ils ont la solution face au problème le plus critique que nous vivons actuellement dans le monde. Cependant, ils n'ont pas assez de soutien. Si cette agriculture était bien soutenue pour atteindre sa potentialité, nous serions dans un monde bien différent en termes de durabilité, en termes de santé et de perspectives futures pour la planète. Je vais passer à l'anglais. La décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale a été unanime dans cette réflexion critique. Ça a été approuvé par unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est un succès parce que cela reconnaît les agriculteurs familiaux comme les acteurs principaux du système alimentaire et qui contribue à la sécurité alimentaire mondiale, et c'est très important pour pouvoir atteindre les ODD. Nous ne parlons pas seulement des ODD, l'ODD numéro 2, l'agriculture familiale est un accélérateur et un catalyseur de changements politiques, santé, genre, utilisation de l'eau, pour ne nommer que quelques-uns de ces éléments. Cela sera accélérer les agendas des ODD pendant ces 5 ans de cette décennie de l'agriculture familiale d'une manière conjointe. Nous tous et bien d'autres partenaires, nous avons beaucoup avancé quand même. Nous allons vous parler des réalisations pendant 3 jours, mais j'aimerais aussi mentionner 2 réalisations importantes. La décennie de l'agriculture familiale a été vraiment un catalyseur pour le changement politique, favorisant l'élaboration et l'adoption de plans et d'outils politiques complets, des plans et des outils dans plus de 77 pays. Pour cela, la FAO avec le FIDA ont mis au point une série de produits mondiaux axés sur le développement des capacités en soutenant les gouvernements, assistance technique, analyse juridique et en proposant la formation, les données et les évidences pour apporter une assistance technique. Une fois de plus, il s'agit d'une réalisation incroyable pendant les dernières années. Un autre résultat important tout au long de ces années, c'est que nous avons plus de 40 pays qui ont développé des plans d'action nationaux pour soutenir l'agriculture familiale au niveau les plus élevés et avec la participation des différents acteurs, gouvernements, sociétés civiles et autres. Je ne connais pas d'autres décennies qui, à la moitié de la décennie, comme c'est le cas aujourd'hui, est atteint autant d'objectifs. Cependant, une fois de plus, j'aimerais souligner un autre fait. Nous devons beaucoup, beaucoup faire d'ici la fin de la décennie. Donc, nous allons fêter l'équateur de la décennie et vous êtes tous invités à cette fête
qui aura lieu en octobre de cette année. J'espère vous voir là-bas. Nous souhaitons honorer l'agriculture familiale et sa résilience dans ces temps si difficiles où les agriculteurs élèvent leur voix. Nous vous invitons à vous impliquer dans le débat parce que cela touche profondément l'agriculture familiale et rurale. L'événement aujourd'hui est une étape fondamentale vers cette célébration de l'Équateur de la décennie. J'espère qu'il y aura une réflexion critique sur la manière de consolider tout ce qui a été réussi jusqu'à présent, afin de consolider tout cela avant la fin de la décennie, afin d'avoir un changement réel dans le fonctionnement du système agroalimentaire dans le monde. Nous espérons l'engagement de la communauté internationale pour reconnaître les besoins, pour mettre en œuvre les politiques qui apporteront des réponses et pour créer des incitations, et pas seulement actuellement, dans le présent, mais aussi dans l'avenir de l'agriculture familiale. Nous sommes conscients du fait que s'il y a suffisamment de soutien, l'agriculture familiale peut changer le monde et les relations de la planète avec le changement climatique, mais il faut le soutien politique, des investissements et une pensée critique, une nouvelle manière de penser et surtout l'engagement des différents gouvernements du monde. Nous avons encore 5 ans devant nous pour nous assurer que nos efforts vont donner des fruits à la fin de cette décennie de l'agriculture familiale. Et sans les agriculteurs et agricultrices familiaux, il sera impossible d'aborder toute conversation sur le dérèglement climatique, la durabilité et la santé des êtres humains et une planète saine. Merci beaucoup pour votre participation. Muchas gracias, doctora Villarreal. Merci. Nous passons par la suite à la présentation inaugurale qui a pour titre Alimentation, gastronomie et consommation durable. Nous allons passer la parole à Monsieur Eric Eichheitet du Basque Culinary Center qui va prendre la parole. Ce Basque Culinary Center se trouve à Saint-Sébastien. C'est un centre pionnier de recherche et d'entrepreneuriat qui vise à promouvoir la gastronomie avec regardons ce que nous mangeons, comment nous mangeons. Il compte sur un plan stratégique, ce centre de développement durable, avec les grands défis des objectifs de développement durable. Vous avez la parole, monsieur. So I prepared my talk in English. Je vais m'exprimer en anglais. Je travaille en tant qu'un chercheur gastronomique. Je travaille au Basque Culinary Center. Nous avons différentes approches sur comment mieux comprendre les aliments. Moi, je recherche dans les tendances et je vais vous fournir par la suite quelques éléments qui pourront, je l'espère, vous aider au quotidien. Je voudrais tout d'abord vous parler de l'importance de l'agriculture familiale. En tant qu'expert en gastronomie, nous sommes présents sur toute la planète. Nous sommes présents auprès de restaurants, mais également dans d'autres projets liés à la gastronomie. Nous sommes conscients du fait que la gastronomie ou l'agriculture familiale est souvent le lieu secret où nous retrouvons les ingrédients qui nous sont précieux. Et c'est donc pour cette raison qu'il est important de le protéger. Nous entendons la gastronomie comme une véritable fête de la diversité, et ceci est en lien étroit avec les histoires de la personne depuis ce qu'est la production, la culture, jusqu'à toute la chaîne de valeur, jusqu'à la fourchette.
C'est ce que nous appelons la gastronomie à partir d'une approche de 360 degrés et il faut que nous puissions l'aborder à partir de l'activité commerciale, de l'art, de la création et c'est seulement ainsi que nous pourrons mieux apprendre à interagir avec les aliments et comment faire partie des systèmes. Mais outre ce fait, il existe une valeur très importante dans la perception du consommateur final, quelque chose qui doit être là depuis le tout début de la chaîne de valeur. Tout produit pourrait être une boisson, un légume, une viande, si le consommateur ne l'apprécie pas. Ceci ne va pas avoir, cela n'aura aucun sens. Mais ceci n'est que le début de cette aventure. Pour qui aime ce produit, ce n'est qu'une couche. Ça peut être très personnel, psychologique, même voire génétique. Et il y a des choses qui ne nous plaisent pas. C'est peut-être dû à notre génétique. Nous souhaitons appréhender ce monde complexe d'interaction entre personnes. Terre, distribution d'aliments, c'est ce que nous allons retrouver dans la gastronomie. Comprendre tout ceci n'est que le début d'un voyage et nous nous posons constamment des questions comme qu'est-ce l'alimentation, qu'est-ce qu'un produit alimentaire, est-ce que nous pouvons le consommer, comment faire en sorte que la production soit durable. Comment faire en sorte qu'un aliment soit sain et consommable. Au travers la chaîne alimentaire, nous recherchons une réponse à ces questions. Mais la majeure partie de ma présentation et de mes propos aborde la petite histoire de collaboration entre la gastronomie et les petits agriculteurs qui peuvent devenir un outil très puissant pour la transformation. Dans la grande majorité des exemples que je vais vous présenter sont d'un réseau de collaborateurs qui ont gagné notre prix, le prix du Culinary Center. Le Danemark, par exemple, il y a une trentaine d'années, ne se mentionnait pas lorsque l'on parlait des principales destinations gastronomiques. Ce pays est maintenant sur la carte. Et ceci a commencé il y a une trentaine d'années lorsqu'ils ont décidé de redéfinir leur identité locale. Nous avons vu des défis comme pourquoi est-ce que nous importons des plats du monde entier et pourquoi nous ne comprenons pas les ressources de façon plus globale. Nous avons commencé à travailler avec des produits de proximité. Ceci s'est répandu dans les pays du Nord et est devenu un élément majeur dans ces pays pour promouvoir ces différents pays nordiques dans des pays référence gastronomique. Nous avons également M. Dan Barber qui a une exploitation agricole qui s'appelle Blue Hill, qui est située à Stone Barns, et il évoque différents plats, différents mets d'une façon incroyable. Il est extrêmement intéressant de l'écouter. Un exemple de ces plats étoiles est le risotto. Risotto c'est une espèce de riz qui devait être laissé de côté, mais qu'il va récupérer. Ce sont des cultures qui sont récupérées dans la production. Ce riz est tellement délicieux qu'il est devenu un de ses produits phares, un de ses plats phares. Un autre exemple intéressant, c'est celui de Jock Sonfrillo, qui est décédé l'année dernière. Jock Sonfrillo a répertorié une centaine de produits qui ne s'utilisaient pas en Australie et ils l'ont fait pour que ces agriculteurs locaux puissent commercialiser ces espèces de ces produits et il a revitalisé ces produits qui étaient utilisés dans le passé mais qui n'étaient plus à l'heure actuelle.
Un autre exemple intéressant est celui de l'utilisation de la gastronomie en tant qu'un outil, une plateforme pour évoquer des différents produits. Par exemple, Ebru Baybara Demir a mené cette initiative en Turquie. Elle a créé un réseau de maisons comme restaurants et qui essayer de les nourrir. C'était un peu les maisons des producteurs. Alors, Demir est devenu une destination gastronomique en Turquie. Mais avec la crise des réfugiés, elle a commencé à recruter ces femmes au sein de son réseau pour créer un échange culturel entre les différents pays. La gastronomie peut devenir un outil très puissant pour l'éducation, dans le domaine de l'éducation. Shanti Elias a créé un centre de formation, une école de cuisine. Et cette école qu'il a créée est devenue un centre où l'on enseigne la cuisine comme on enseignerait les maths ou l'histoire, et il enseigne à mieux apprécier les différences entre les différents gazpachos, ces plats espagnols traditionnels du sud, et pour que tout le monde puisse le cuisiner chez lui. Quand les élèves finissent les stages, ils sont à même de cuisiner tous les plats traditionnels espagnols. Après, nous avons également la cuisine, la gastronomie, comme un outil pour lutter contre les situations d'urgence. Quand il y a une situation d'urgence, une catastrophe naturelle, M. José Andrés est toujours là sur place pour nourrir les populations qui sont concernées. La gastronomie peut devenir également un outil nous permettant d'autonomiser les agriculteurs. Maria Fernanda de Jacobé, au Venezuela, a su saisir une opportunité lorsqu'il y a eu un blocus. On ne pouvait plus exporter le cacao, la fève du cacao. Elle a donc formé des femmes pour pouvoir produire son chocolat, son cacao, son chocolat. Elle a donc créé tout un réseau de distribution de ce produit au sein du Nicaragua, au Venezuela, pardon. Ces femmes sont devenues des porte-drapeaux de ce produit et ont exporté ce produit. Nous avons également Madame Fatmata Binta avec son projet Dine on a Mat. Elle va allier la culture et la cuisine de la culture Fulani. Il s'agit d'un restaurant nomade. Elle se déplace et elle va créer différents plats avec des produits locaux de proximité. Et elle collabore avec plus de 300 familles d'agriculteurs familiaux. Voici quelques exemples qui nous servent d'inspiration et au centre de recherche de notre du Basculage Center, nous avons d'autres exemples. Nous avons publié le premier catalogue de plantes comestibles sauvages. Ce sont des qui sont donc que nous trouvons sur toute notre planète. Et nous avons voyagé, nous nous sommes déplacés, nous avons pu voir que ces plantes se ressemblent beaucoup. Et nous avons également publié un manuel pour mieux profiter des restes. Et nous avons des peaux, des pelures, que nous pouvons transformer dans des vinaigres ou des glaces, voire des glaces. Et nous avons également publié un manuel sur comment traduire ce bar, le bar de l'Atlantique, pour mieux le cuisiner. Nous allons également soutenir différents laboratoires gastronomiques en Bolivie, Équateur et Jamaïque.
la Jamaïque, pour pouvoir identifier de nouveaux produits locaux. Et par exemple, le cacao, on peut faire beaucoup d'autres produits à part le chocolat, avec des patates douces. Il y a également d'autres produits comme le quinoa qui s'utilise plus couramment ici maintenant. Et nous avons également organisé des ateliers. Et ces petits agriculteurs deviennent des gastro-entrepreneurs. Ils savent utiliser le produit et ils savent valoriser les différents produits qu'ils trouvent dans la nature. Et pour récapituler, je dirais que la gastronomie est une partie de d'un grand puzzle. Ce qui nous tient vraiment à cœur sont les histoires des individus, des créateurs. Pour nous, la gastronomie est une histoire de courage, créativité et sagesse collective, un grand savoir collectif. Merci. Merci. Merci, monsieur. Maintenant, nous allons faire une pause café, qui est dans la salle appelée salle Mirador. C'est dûment indiqué. Donc, à 11h40, nous reprenons les séances et nous passerons à la table ronde. Merci.
Allô. Canal. Alora Cantimplora, Arratsaldeon, buenas tardes. Desde el Palacio Francisco de Vitoria, en el canal 4. 4 francés. Canal 4 francés, Bat Biiru. Bat Biiru. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 4. Y ahora enseguida paso al 3. Canal 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, pues esto es un congreso, sí, en el que es de tema agrario, pero a los realmente los que están todo el día con el tractor los han dejado en la calle. Hola, canal 4. 3, canal. Que me ha puesto. Sigo con el 4. Bat Biiru Lau. Sardinia Bacalao. Canal 4. El canal. Canal 3. Canal 4, yo. 4. Canal 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora. Ahora estoy por el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canal 4. 1, 2, 3, 4. Canal 4. Va a vivir Ulao. Canal 4. Sí. 1, 2, 3. Canal 4. Alora Cantimplora. Canal 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Badi Iru Lau, Lau, Cat, Canal 4, The Channel 4, Badi Iru, Canal 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 4. ¿Estás hablando por el 4, no? Sí, ya que está hablando por el 4, está encendido todo. 1, 2, 3, yo estoy por el 4 desde hace 4 minutos. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Canal 4. Hola, Bat Biiru, Bat Biiru. 1, 2, 3, 4. Sí. Canal 4, Bat Biiru, Bat Biiru, Canal 4, 1, 2, 3, 4. El 4 está funcionando bien, parece ser. Vale. Entonces, ¿quieres que hable por el 3? Oscar. Lo dejamos ahí.
Ongi etorriak izan zaitezte berriro ere. Bienvenue et nous espérons que cette pause vous a permis de prendre contact et de vous rencontrer. Je tiens à dire que nous allons mettre l'accent sur le bilan des cinq premières années de la mise en œuvre de la décennie des Nations Unies, qui est coordonnée par le FIDA. Et après donc une campagne liderée par la société civile, le 20 décembre 2017, les Nations Unies, l'Assemblée a approuvé la résolution qui déclarait 2019-2028 en tant que décennie de l'agriculture familiale. La décennie situe les agriculteurs au cœur d'un système alimentaire en garantissant la sécurité, en gérant d'une façon plus adéquate les ressources naturelles, en protégeant, en sauvegardant l'environnement et en obtenant un développement durable. Nous allons donc nous pencher sur les acquis, sur les objectifs et les réalisations à venir. Lors de la précédente conférence mondiale, nous avons jeter les bases du plan d'action de cette décennie. Nous avons ici parmi nous des experts en la matière. Je vais donc demander de bien venir sur scène à Madame Fernanda Maldonado, Monsieur Guilherme Brady, Monsieur Marco Gamani, Monsieur Javier Sanchez, Monsieur Andrea Porro, Monsieur Alberto Brock. Et au fur et à mesure, et pour animer ce panel, nous avons parmi nous un expert, M. Mario Arbello, qui est ambassadeur de la République dominicaine face aux Nations Unies, spécialisé en agriculture, alimentation et développement rural, la FAO, le FIDA et le PMA. Il a présidé le comité de sécurité, le comité d'agriculture et l'Alliance mondiale, parmi tant d'autres de responsabilités. Depuis 2023, il préside le comité directif international de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Veuillez l'applaudir. Merci. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este... Merci. Bienvenue à ce panel, à ce débat. C'est un panel où nous allons discuter avec les membres qui sont ici sur scène. On m'a demandé de présenter le sujet et je vais être bref. En tant qu'ambassadeur de la République dominicaine, face au régime multilatéral dans le cadre des Nations Unies qui a commencé à avancer après la Deuxième Guerre mondiale, à cette époque-là, les différents pays ont décidé de créer un club. C'est ainsi que cela est repris dans la Charte des Nations Unies. C'est une association d'États souverains pour éviter une Troisième Guerre mondiale. Depuis le début, le système international, c'est-à-dire la famille des Nations Unies, a commencé à rechercher des solutions aux problèmes communs de l'humanité. L'un de ces thèmes est la question de la faim, de l'alimentation, d'une alimentation saine. Et c'est pour cela que la FAO est fondée le 16 octobre 1945, une semaine avant la approbation de la Charte des Nations Unies. Et au fil de ce parcours, d'autres organisations, le FIDA, le Fonds international pour le développement, le Programme mondial d'aliments et d'autres agences qui recherchent cette même fin. Mais les gouvernements, les membres des Nations Unies
on réalisait que la volonté politique n'est pas nécessaire pour résoudre tous ces problèmes. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé de inclure d'autres acteurs. Donc, nous sommes nombreux à participer à ce type de débat actuellement. Et nous comptons sur des représentants de la société civile, du secteur privé, de centres de recherche, d'institutions financières internationales, du monde académique, de tout un éventail d'acteurs qui ont beaucoup à dire et qui souhaitent contribuer afin de réaliser les différents objectifs, les objectifs de développement durable. D'une part, nous en avons 17. Si les gouvernements pouvaient, les présidents, les premiers ministres pouvaient décréter ou approuver des textes pour dire mettons fin à la faim, ils l'auraient déjà fait. Mais la solution de ces problèmes est extrêmement complexe. C'est pour cette raison que nous avons créé une plateforme comme c'est celle de la décennie de l'agriculture familiale à l'horizon 2018-2028 pour essayer de promouvoir cette agriculture et essayer d'identifier les bonnes pratiques et pour ensemble, main dans la main, pouvoir résoudre ces problèmes qui nous unissent. Nous allons donc passer à un panel qui, je suis sûre, sera très riche. Nous allons aborder deux blocs de questions. Je vais donc m'entretenir avec les membres de ce panel, mais également après les deux blocs de questions, nous allons passer la parole au public qui est ici dans la salle afin de pouvoir enrichir au mieux ce débat. Le premier bloc de questions qui abordera les réalisations de la décennie. Nous sommes à mi-chemin de la décennie qui a été lancée en 2019 et son horizon est de 2028. Le deuxième ronde de questions abordera les défis qui nous permettent d'avancer dans les politiques publiques d'agriculture familiale et les actions prioritaires qui vont nous permettre de promouvoir les 5 piliers de cette agriculture durable. Nous passons immédiatement à la première partie de ce débat. Afin que les membres du panel puissent parler pendant 3 minutes de ces questions. Le temps est limité et il nous faut donc respecter le temps imparti aux différents intervenants. La première question, je vais l'adresser à Madame Fernanda Maldonado, qui est directrice générale du secrétariat du ministère d'Élevage, Agriculture et Pêche de la République d'Uruguay. Elle est également directrice générale du plan national de genre en matière de politique agroalimentaire. Elle a beaucoup à dire à ce sujet. L'Uruguay vit une situation d'inégalité majeure, mais nous essayons de faire des efforts. Nous savons également que l'Uruguay est un pays qui doit nous servir d'exemple, car malgré les inégalités, l'un des pays le plus égal est l'Uruguay. Il y a un haut degré d'égalité. Fort heureusement, c'est un des pays qui doit nous servir d'exemple. Nous allons tout d'abord commencer par aborder des cas concrets de programmes publics pour l'agriculture familiale qui s'inscrivent dans le cadre de la décennie. Madame Maldonado travaille afin
de rédiger le plan national d'agriculture familiale. Pourquoi est-ce que le gouvernement d'Uruguay, et plus particulièrement, pourquoi est-ce que vous considérez l'agriculture familiale comme un partenaire stratégique et un élément clé? Quels sont les éléments novateurs qui pourraient nous servir d'exemple? Merci de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur de pouvoir parler ici, de m'exprimer ici, car nous représentons l'agriculture familiale. C'est un honneur d'être ici. Et pour aller droit au but, nous avons seulement 3 minutes. Et pour répondre à votre question, en Uruguay, la production familiale a toujours été un allié stratégique. Il est important de penser aux individus, aux agriculteurs, agricultrices. Très souvent, nous évoquons des indicateurs économiques. Il est important également de voir ce qui sous-tend cette production, la société, les ressources que nous utilisons, l'eau, la terre, le foncier, les céréales, les animaux. Et en tant qu'indicateur, nous sommes agro-exportateurs, et lorsque nous nous présentons en tant que pays devant le commerce international, la production familiale est un allié. Par exemple, dans le bien-être animal, dans ce que nous appelons le développement durable et les objectifs environnementaux, tous les groupes de la société sont présents, les agriculteurs familiaux. Nous avons une définition, nous avons un registre de producteurs familiaux qui sont pratiquement dans toute la chaîne, l'agriculture, l'élevage, la sylviculture, où nous avons de grandes entreprises. Nous avons donc l'agriculture familiale. Au-delà des mesures concrètes, nous menons également un travail dans tout ce qui a trait à la ruralité, améliorer la vie pour tous ceux qui vivent directement en lien avec le secteur agroalimentaire. Nous incluons dans cette ruralité cette opportunité. Nous incluons les petites communes de moins de 5000 habitants. Il y a des travailleurs qui habitent dans ces petites communes et qui habitent là parce qu'ils souhaitent un meilleur environnement pour leurs enfants, etc. Donc nous sommes ici nous sommes en cours d'élaboration de documents qui va soutenir cette agriculture familiale. Dans ce cas, pour aboutir à ce document, nous avons réalisé différentes études. Je ne peux pas vous partager maintenant les informations car nous sommes encore en cours de finalisation de ce document, mais croyez-moi, les premières données nous ont poussé à revoir certaines politiques publiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Car nous avons constaté qu'il y a un grand nombre de productions agricoles qui sont dans les mains des agriculteurs familiaux. Et avec cette étude que nous avons conduite, nous avons obtenu des informations qui nous ont permis de réorienter certains fonds. Et donc, le fait de réaliser des études techniques et l'élaboration de ce plan a fait en sorte que le ministère puisse revoir ce type de politique. Nous avons dirigé ce plan en regardant vers l'avenir. Nous avons pris en compte également l'empreinte écologique, l'empreinte carbone. Nous souhaitons que l'agriculture familiale puisse permettre un meilleur accès aux informations, aux indicateurs, et donc nous essayons de travailler dans ce sens. Les biens publics, ils pourront tous avoir accès à ce standard minimum de certification indispensable
pour apporter une valeur ajoutée à ce que nous produisons. Comment le faire et avoir également des indicateurs objectifs pour finir la méthodologie. Ceci est très important. Nous avons vécu une expérience récente qui est la revalorisation des systèmes agricoles qui se fait au niveau national et régional. C'est la même méthodologie que nous mettons en œuvre pour le plan national d'agriculture familiale, avec un fort accent sur l'agriculture publique. Et en parlant avec l'étranger ou l'inconnu, j'ai un défi lorsque on a des conversations, on présente des projets, on fait des évaluations dans les tables de décentralisation. En Uruguay, on est divisé en 19 départements et nous dépendons à nos techniciens. Combien de personnes que vous ne connaissiez pas avez-vous rencontrées dans les réunions? Combien sont nouveaux dans la liste? Ça, c'est un défi permanent. Avoir des institutions fortes dans l'échange pour que ce soit un plan consensuel et légitime, mais être un petit peu aller plus loin, et nous parcourons constamment le pays en pensant à l'agriculteur, à l'agricultrice, à l'individu et à la liberté, parce que ensuite, grâce à ce plan, ils puissent rester dans la ruralité et qu'il y ait une permanence des exploitations. Bon. Merci beaucoup, Fernanda. Je suis sûre que tu n'as pas pu tout dire. On aura peut-être du temps pour les questions du public. Nous allons passer à Guilherme Brady, chef de l'unité d'engagement vis-à-vis de l'agriculture familiale et réseau parlementaire de la FAO. Mais Guilherme, secrétaire du comité international de la décennie. Je suis en contact avec Guilherme tous les jours, avec lui et son équipe. Je sais qu'il a pris des notes. Il a pris des notes et dans sa tête aussi. Il a des éléments pour répondre à cette question pendant des heures. Malheureusement, nous sommes limités à 3 minutes. Dis-nous, Guilherme, quels sont les éléments fondamentaux ou les réussites de cette première moitié de la décennie? Bonjour. Nous avons de bons chiffres, comme a dit Marcela, pour une initiative globale. Ce n'est pas habituel de voir cette grande dimension. Nous sommes assez efficaces et ceci se fait avec un niveau de ressources assez limité. Il y a de grands facteurs. Nous avons une gouvernance très intéressante. Il y a un capital social très fort, avec de nombreux acteurs mobilisés, organisation de l'agriculture familiale dans tous les pays, souvent à un niveau local. Ces espaces nationaux, et moi je l'ai vu dans de nombreux pays, là il y a une collaboration multi-acteurs. Il y a une interinstitutionnalité, de nombreuses entités gouvernementales sont en lien et en dialogue avec les organisations de l'agriculture familiale au Kenya, au Kyrgyzstan, au Costa Rica, avec des gouvernements locaux aussi qui participent. Il y a effectivement un effort de coordination parce qu'il y a peu de ressources, alors il faut davantage coordonner. Et cela renforce les partenariats entre les acteurs, avec le FRM, avec Via Campesina, avec le Forum des régions. Dans les régions, donc niveau global, régional et local, qui sont assez en harmonie, qui travaillent ensemble. Et je crois que c'est une décennie qui a une véritable approche sur le policy making, les politiques publiques. C'est une approche très concrète. Et logiquement, on voit une demande de la part des pays. L'ensemble des crises, la pandémie. À ce moment-là, de nombreux pays ont renforcé leur conscience sur le fait qu'il faut un secteur alimentaire national plus fort, plus décentralisé, plus proche des gens. Et l'agriculture familiale est capable d'apporter cela. Il y a beaucoup d'innovations
des formulations législatives très poussées, du travail avec les parlementaires pour créer des cadres réglementaires. Ce sont des éléments qui m'ont frappé dans le travail que nous faisons. Merci, Guilherme. Merci d'avoir été précis. Nous allons passer maintenant à Marco Camagni, un vieil ami. Il a travaillé au Fonds international pour le développement agricole et avec la République dominicaine il y a quelques années. Et maintenant, dans cette même institution, il est spécialiste technique global principal dans les organisations de producteurs et développement rural. Marco. Nous avons tous une idée là-dessus, mais nous aimerions que Marco le résume en quelques mots. Pourquoi est-il important de compter sur une décennie d'action pour l'agriculture familiale? Quelles sont les réalisations que tu souhaiterais évoquer depuis le début d'il y a 5 ans? Merci. Merci m'avoir invité. Cette conversation continue un petit peu la conversation qu'on a eue il y a un mois. C'était l'Assemblée des gouverneurs du FIDA. Et il faut voir tout cela comme un processus. Marcella a déjà mentionné cela. On va avoir un événement important en octobre pour célébrer, pour fêter le midpoint, l'équateur de la décennie. La réussite principale que l'on peut attribuer à cette décennie officielle d'agriculture familiale, c'est associé à une croissance de la conscientisation au niveau de tous les acteurs concernant l'importance de ce secteur. Guillermo le disait tout à l'heure, la pandémie a fait voir l'importance de la nourriture saine, d'avoir des aliments sains pour chaque pays, de ne pas dépendre de l'importation d'aliments. Les aliments sains produits localement, de proximité, profitant des semences et des intrants locaux, la biodiversité locale. Et donc, c'est l'agriculteur familial qui est l'acteur clé de cette alimentation. La quantité de produits au niveau mondial qui est produit par l'agriculture familiale, 80%, 90% des agriculteurs du monde sont des agriculteurs familiaux. La FIDA a un mandat de travailler dans le développement rural et agricole. Les premières 5 années, moi j'ai vu cette plus grande sensibilisation, l'awareness en anglais, donc la sensibilisation, la conscience sur ces questions qui se sont transformées en actions concrètes. Nous, le FIDA, on travaille avec tous les gouvernements où nous cofinancions des initiatives au niveau local. Nous faisons du cofinancement de projets de développement agricole et rural. Et nous finançons l'associationnisme de l'agriculture familiale. Ça, c'est très important. Les agriculteurs familiaux, individuellement, n'ont pas beaucoup de force. Mais s'ils s'associent, s'ils travaillent ensemble, ils ont un grand, grand potentiel. Alors, je pense que ce travail de renforcement de l'associationnisme entre agriculteurs et agricultrices familiaux est fondamental. Ce matin, vous parliez des coopératives. Les coopératives sont très différentes, mais c'est une autre manière d'être plus efficace dans la production pour mieux négocier les prix. Quelqu'un a parlé de l'importance de l'équité, de la distribution des marges des chaînes. Être associé permet d'avoir plus de poids dans une négociation. Il s'occupe aussi de bien gérer les ressources naturelles. On a parlé de l'eau, mais en général, ils savent gérer les ressources naturelles, le foncier, ça c'est très important pour l'agriculture familiale, et veiller à l'inclusivité. Donc les femmes et les jeunes, ils doivent être inclus dans ces organisations. Voilà les points les plus importants. Et l'autre réalisation, à part la sensibilisation, c'est la capacité de ces organisations à devenir des pionnières. Par exemple, pour l'agroécologie, essentiellement, c'est une question qui a été poussée par les organisations d'agriculture, la société civile. Les gouvernements, maintenant, commencent à se rendre compte de cela. Mais ça provient des producteurs et de la société civile. Il faut soutenir l'agroécologie à tous les niveaux.
Merci, Marco. Je continue à prendre des notes de toutes ces idées. Nous allons poser la même question à M. Javier Sánchez. Quels sont les éléments que vous souligneriez comme principale réussite de la décennie? Vous avez une différente perspective. Nous venons d'entendre Marco Cammani du FIDA. Et maintenant, Javier Sánchez de Via Campesina. Nous connaissons la Via Campesina, c'est un réseau très important, une épine dorsale des organisations de producteurs agricoles et d'agriculteurs familiaux dans le monde entier. Il est vice-président deuxième du comité de gestion internationale de Via Campesina. Javier, quels sont les éléments que tu aimerais souligner dans cet équateur de la décennie? Tout d'abord, j'aimerais remercier le Forum Rural Mondial pour son invitation. Pour moi, c'est une fierté et un honneur. Je suis à 200 km. Je suis producteur de céréales écologiques. L'année dernière, je n'ai pas pu travailler parce qu'il y a eu une énorme sécheresse. Et je n'étais plus que paysan et je n'étais plus producteur. Maintenant, j'ai souffert de cette sécheresse. Et pour moi, c'est toujours une occasion merveilleuse de venir ici, le Pays Basque, Euskal Herria en basque. Il y a un lien très, très fort de nos ancêtres, sans doute. Deuxièmement, le fait de participer dans cette décennie a été un apprentissage continu. Pas seulement pour nous qui travaillions déjà avec toi, avec Mario Arbelo au comité de sécurité alimentaire ou lorsqu'on construisait des alliances au comité international de planification pour la sécurité alimentaire, mais parce que nous avons pu renforcer construire la boîte à outils de la décennie. Ça fait 120 organisations dans plus de 100 pays. C'était un véritable défi. Nous avons accompagné, et je suis d'accord avec le message de Marcella, sans le travail du FRM, nous ne serions pas ici avec ces titres derrière nous. Dans cet espace, s'accumulent les débats et les défis. Mais principalement, pour moi, une réalisation, c'est que le travail de la décennie est lié maintenant au comité de sécurité alimentaire. Ce lien est fondamental. Dans le même temps, on renforce le FIDA, parce qu'il y a un énorme travail réalisé par le secrétariat conjoint avec Guilherme, Brady, Anna, etc. et d'autres collègues. Il faut renforcer ce lien avec le secrétariat et le FIDA, parce que nous avons de plus en plus de défis actuellement. Ensuite, ce n'était pas le seul espace, car nous venons d'un forum paysan avec une liste de demandes. C'est un succès de se réunir à nouveau avec plus de représentants, avec le Forum Rural Mondial, avec toutes les organisations régionales, PIFOM, Europa, PROPAC, il y en a bien d'autres. Et Alberto est là pour le dire. Donc on n'est pas chacun dans notre compartiment, dans notre silo. On travaille ensemble. Nous savons quels sont les éléments communs et nous devons travailler ensemble. Moi, je suis surpris de voir comment les responsables politiques trouvent toujours le bon diagnostic et nous disent quels sont les problèmes que nous avons signalés depuis des décennies. Et maintenant, il faut faire les lois qui correspondent. Il nous faut avoir des nouvelles lois pour nous. Les développements des comités nationaux et régionaux, Marcella l'a déjà souligné, la statistique est là. C'est un défi continuel, ce besoin de mettre en œuvre les cadres réglementaires et législatifs. Comment pouvoir passer de ça au budget? Oui, on a les comités nationaux, on a l'interlocution, maintenant il faut des budgets. L'engagement de 10% qui devrait être consacré au modèle social majoritaire de l'exploitation familiale et agricole, un modèle... Je vais finir par là. Ce modèle social majoritaire, qui est celui de l'exploitation familiale, c'est le modèle familial paysan, autochtone, de pêcheurs artisanaux, de bergers, etc. C'est là, c'est le contexte où il faut
financer les actions. Je parlerai d'autres défis tout à l'heure. Merci, Javier. Et ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble, depuis quelques années déjà. Nous avons commencé à travailler main dans la main dans ces questions multilatérales. J'ai beaucoup, beaucoup appris de toi, et encore aujourd'hui. Et maintenant, Andrea Porro. Je n'ai pas une longue histoire avec toi, mais avec ton organisation. Il est secrétaire général de l'Organisation mondiale des agriculteurs, OMA. World Farmers Organization. C'est un nouveau mandat pour lui. Il a une longue expérience dans toutes ces questions. Et il est à jour par rapport aux défis de l'agriculture, les difficultés des agriculteurs, et nous allons lui poser une question similaire. Ah, Monsieur Andrea Porro, secrétaire général de l'OMA, quels sont les éléments les plus significatifs que contient la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale afin d'aborder ces défis des agriculteurs? Merci pour ta question. Egunon? Bonjour, buongiorno, excusez-moi, parce que moi, je ne parle pas l'euskara, ni la langue basque, ni l'espagnol, donc je vais parler en anglais, d'accord? Merci pour la question. Je crois qu'il ne s'agit pas seulement de savoir quels sont les éléments, mais qui est là. Ça, c'est très important pour nous. Maintenant, je vais expliquer. Cette approche multi-partenaire où les agriculteurs familiaux coopèrent avec une organisation internationale dans la conception de politiques axées vers l'agriculture familiale est une des valeurs ajoutées dans le cadre de cette décennie. De plus, cela sert à soutenir les familles de paysans et de familles des exploitants agricoles familiaux. Lorsqu'on parle des personnes, on parle des agriculteurs et des agricultrices, les organisations et les différentes couches qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs au niveau mondial, régional et local. Toujours en collaboration et partenariat entre les organisations d'agriculteurs et les gouvernements. Donc voilà le qui. Une des valeurs ajoutées aussi, c'est que ces organisations, avec la FAO, le FIDA et le gouvernement, travaillent à tous les niveaux afin d'avoir une grande variété de représentations dans le secteur de l'agriculture familiale. Et je crois enfin qu'il est important de rappeler l'importance des femmes et des jeunes, ce qui a déjà été dit ici. Toujours le répéter, il faut que ce soit mis en œuvre. Dans trop d'endroits du monde, les femmes travaillent la terre, mais ne reçoivent pas de salaire. Les jeunes font face à des barrières et des défis bien plus élevés que d'autres acteurs dans ce système de production pour pouvoir s'établir et travailler dans l'agriculture. Ça, c'est très important. Enfin, on a parlé des organisations d'agriculteurs. Il faut avoir un plan d'action global, un cadre d'apprentissage et une base de données, ou tout du moins une approche données, parce que les agriculteurs pourront faire face à un avenir avec des données, en s'éloignant de l'idée que l'agriculture et les systèmes agricoles sont le problème, car en fait, ils sont la solution. Merci beaucoup, Andrea, pour tes commentaires. Et j'aimerais dire que tu as mentionné les femmes et les jeunes, qui sont les deux piliers des 7 qui constituent cet édifice où nous travaillons dans cette décennie d'action pour l'agriculture familiale. Merci beaucoup pour tes commentaires. Merci d'avoir respecté le temps alloué. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Alberto Brock. Mon vieil ami Alberto a une expérience dans le Forum Rural Mondial en tant que leader de la COPROFAM, qui est la Confédération d'organisations de production familiale du Mercosur élargi.
Alors, c'est le leader des agriculteurs sud-américains. En quelle mesure, Alberto, crois-tu que le Forum rural mondial a abordé la décennie d'action pour l'agriculture familiale? Nous savons que l'origine politique, c'était New York il y a plus de 10 ans. Costa Rica, République dominicaine ont poussé aussi pour cette décennie. Et comment dans ce parcours, aujourd'hui, lorsque nous atteignons l'équateur de cette décennie, comment est-ce que les organisations se sont renforcées? Quelles sont les réalisations principales? 3 minutes. Merci Mario. J'aimerais saluer cette grande conférence mondiale. J'aimerais saluer cette table ronde d'experts. Merci pour ce débat si important pour nous. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas tout résolu, bien sûr. On est loin de là, mais nous avons cheminé. Et nous avons avancé. Nous avons déjà parcouru un long chemin. J'aimerais souligner une des réussites principales, c'est la reconnaissance de l'agriculture familiale dans le monde entier. La visibilisation de l'agriculture familiale. Ce n'était pas le cas avant. On était considérés comme les ignorants, les plus petits, les plus oubliés, ceux qui n'avaient pas d'importance, et mettre au centre la question de l'agriculture familiale dans le monde, ça a été une réalisation. Il y a peu de lieux où cet acteur n'est pas reconnu. Maintenant, c'est l'acteur très important, l'agriculteur familial, cette manière de produire des aliments, la culture, le développement. Un pays qui ne prend pas soin de cette agriculture familiale est condamné. La décennie nous a proposé beaucoup de possibilités. Deuxièmement, que j'aimerais souligner ici, c'est l'importance des organisations de l'agriculture familiale. Car sans cette agriculture, sans ces organisations, rien ne peut avancer. Si nous ne reconnaissons pas l'importance des organisations, on ne serait pas ici parce qu'on serait chez nous en train de labourer la terre tout seul. Les organisations sérieuses, représentatives et vraies sont l'axe principal. Ce sont les entités qui négocient au nom de ces milliers d'agriculteurs. La décennie nous a donné cette possibilité d'être entendus. Les échanges, les connaissances entre les organisations. Combien de réseaux? Ici, il y a 3 grands réseaux mondiaux. Le Forum rural mondial, la Via Campesina, l'OMA. On est ensemble. On a pu travailler ensemble. Les réseaux régionaux en Afrique, en Asie, l'interlocution, les échanges de ces réseaux avec le FIDA, la FAO, l'ICA, les Nations Unies, les échanges avec les gouvernements, les débats régionaux comme ici, avec le Mercosur, l'espace d'articulation pour les organisations. Et enfin, les comités nationaux, la proposition de politique publique et débattre véritablement sur l'importance du rôle et des politiques de l'agriculture familiale dans le monde. Certaines des réalisations, les voilà, grâce à la décennie. Merci beaucoup, Alberto. On entend des applaudissements dans la salle pour tout le panel d'experts. Nous allons terminer le premier tour de questions. Et comme je vous l'annonçais, nous avons la possibilité d'avoir des interactions avec le public, vous dans la salle. Alors, j'ai la lumière dans les yeux, je ne vous vois pas, mais alors, on va essayer de briser la glace. Quelles questions avez-vous? Nous avons eu des échanges avec nos intervenants sur l'équateur de la décennie. Et je vois des mains levées, n'oubliez pas de demander le micro, sinon vous ne pourrez pas vous entendre. Alors, on va passer des micros aux personnes qui souhaitent prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer de ce côté. Il y a un micro par là. Estas luces están bloqueando a este humilde moderador. Je suis gênée par ces lumières, désolée.
exprese su nombre y... Dites votre nom et posez une question directe à un des intervenants en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour, la Confédération nationale des agriculteurs des Philippines. Ma question est pour Monsieur Alberto Brock. Vous parliez du rôle du financement de ce processus. Il faut avoir une plus grande reconnaissance, une visibilité pour les agriculteurs familiaux et leurs organisations dans cette célébration de la décennie. Est-ce que vous pouvez nous parler du financement pour toi, Alberto? Je crois que cette question est très, très importante. Car toute la reconnaissance que nous avons obtenue, toute la visibilité que nous avons obtenue grâce à la décennie ne s'est pas toujours traduite par de grandes réalisations économiques ou de politiques publiques et de financement. Par exemple, si on prend en compte les chiffres que nous avons au niveau mondial, tout le financement, par exemple, pour le climat, les agriculteurs familiaux reçoivent moins que de 3,2% de tout le financement. Donc, on est très, très loin d'avoir des politiques au niveau mondial qui sont nécessaires pour l'agriculture familiale. Un des piliers principaux des politiques publiques, qu'elles soient globales ou nationales, c'est justement le financement dont vous parliez. Je crois ainsi qu'avec l'application de la décennie, ou la mise en œuvre, pardon, de la décennie de l'agriculture familiale, si nous regardons les 7 piliers proposés par la décennie, nous avons une politique globale, d'accord. Il faut vraiment voir non seulement les mots, mais la mise en œuvre réelle avec les financements. Merci. Alors, s'il y a des personnes qui ont les micros, vous pouvez y aller avec le micro, s'il vous plaît. Je suis Hakim Abiraine et ma question est pour Fernanda d'Uruguay. En tant que femme, est-ce que tu pourrais nous partager comment est-ce que votre gouvernement a abordé la question de l'inclusion des femmes agricultrices familiales dans les politiques et la mise en œuvre? Nous savons que les femmes ont été marginalisées alors qu'elles font une grande partie de l'agriculture familiale. Qu'a fait votre gouvernement à ce sujet? Pourriez-vous nous donner un exemple que nous pourrions appliquer dans d'autres pays? Oui, alors, lors des questions et réponses, on voulait pouvoir compléter votre présentation et votre question, justement, va au cœur de ce que nous allions aborder après. Merci pour votre question. Dans notre pays, nous avons une forte institutionnalité publique, hein, ce qui nous permet de mettre en œuvre des politiques publiques à moyen et long terme. Dans le cas des politiques agricoles à perspective de genre, j'ai parlé de ce plan d'égalité de genre. Il y a une forte pression pour l'institutionnalisation de ces politiques de genre. Et plus particulièrement dans le secteur agricole, une décision du ministère de l'Agriculture et de la Pêche qui est reprise par le ministre de suivre de très près et développer ce plan, non seulement par le ministère de l'Agriculture, mais toutes les instances du secteur agricole, c'est-à-dire tous les organismes qui sont en lien. Par exemple, il y en a 7, le foncier, l'élevage, les laboratoires de recherche en matière agricole, le plan agricole, ainsi que des secteurs plus concrets comme la vitiviculture, les brevets, l'inscription au registre de l'utilisation des semences, qui est très important pour les femmes, l'INAC, l'Institut national du lait également, qui a une importance majeure. Donc, ce plan national de genre avec la
collaboration de la FAO en insistant sur la consultation. S'il s'agit d'une consultation publique, tout le pays y participe. Une consultation entre hommes, femmes, jeunes, tout le secteur agricole et de la pêche a été pris en compte. Après, nous avons systématisé toute cette information. Nous avons élaboré 83 propositions qui ont été recueillies dans ce plan. Ces propositions ont été écrites noir sur blanc avec les enveloppes correspondantes. Il existe une commission de suivi, au siège de la société civile. Et ainsi, nous aboutissons au plan général de politique agricole. 80% de ces mesures sont en cours d'application. Plus de 50 institutions participent à la mise en œuvre de ce plan, public, privé, national et international. Nous aimons dire que ce plan est dynamique car à tout moment, il y a de nouvelles propositions. Le secteur privé se rapproche énormément du plan afin de l'intégrer à ses propres politiques avec une approche sociale et de genre. C'est passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux pour cette matière. Il s'agit d'un défi constant, bien sûr, la coordination interinstitutionnelle et toutes ces politiques qui sont menées par d'autres instances, le ministère du Transport, par exemple, tout ce qui a trait aux infrastructures, communications, etc., se font avec une conscience agricole et perspective de genre. C'est-à-dire qu'il faut connaître à chaque niveau la participation des femmes, où sont les femmes entrepreneuses et où sont les limitations et les opportunités. Monsieur, madame, merci Madame Maldonado. Nous avons le temps pour une question. Oui, je crois que j'entends la voix d'un homme. Donc oui, nous passons la parole, monsieur. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Pete, je viens de Sierra Leone. Il ne s'agit pas d'une question. Il s'agit plutôt d'un commentaire. Depuis ce matin, nous avons énormément parlé de l'importance des jeunes, des femmes dans l'agriculture familiale. Et je crois qu'en tant qu'organisation, le Forum rural mondial a mis ceci en œuvre, car si nous tournons vers les intervenants, aucun n'est jeune. Mais si nous tournons vers toutes ces personnes qui sont dans la salle, je ne vois pas non plus beaucoup de jeunes, hélas. Et donc, je crois que nous devrions agir en la matière et ouvrir la porte à ces jeunes, que ces jeunes soient ici et puissent prendre la parole. Je sais que demain, vous avez consacré sur le programme un instant pour les jeunes. Merci, monsieur de Sierra Leone. J'ai eu l'occasion d'aller à la province Makeni pour veiller au projet mené par la FAO. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous ne sommes pas très jeunes, hélas, excepté dans le panel, excepté pour la jeune femme. Vous l'avez dit effectivement que le forum compte sur les jeunes et nous avons effectivement demain prévu une intervention des jeunes ici, mais nous n'avons hélas plus de temps pour les questions. Nous passons à la deuxième ronde, au deuxième tour de questions. Nous allons voir si peut-être après nous pouvons passer la parole à la salle et madame qui est là aura la parole, bien sûr. Si vous avez une question pour cette deuxième ronde, bien sûr, ce deuxième tour de questions. Bon, je reprends mon siège. Donc, pour ce deuxième tour de questions, nous avons effectué une appréciation des progrès effectués. Nous allons maintenant
nous pencher sur les défis. Les défis pour avancer, pour progresser. Nous ne pouvons pas dire que les premières 5 années ont été très, très bonnes et en rester là. Non, il faut voir ce que nous avons bien fait pour s'aimer et pour continuer à avancer. Et que les expériences accumulées, les enseignements tirés de la première partie doivent nous servir à nous enrichir et faire en sorte que la deuxième moitié de la décennie soit encore plus utile et fructifère. Nous allons donc passer la parole à Madame Maldonado en tant que directrice générale et fonctionnaire auprès du ministère de l'Élevage, Agriculture et Pêche et également en tant que directrice générale du Plan national de genre. Pouvez-vous nous mentionner quels sont les deux défis majeurs auxquels se heurte le gouvernement d'Uruguay pour avancer en matière de politique publique pour l'agriculture familiale? Et lorsque vous allez évoquer ces défis majeurs, quelles sont les actions prioritaires que le plan national envisage pour relever ces défis? Allez-y, madame. Merci de cette question. Et pour essayer de faire court et le résumer, au-delà des progrès, des réalisations, et nous sommes face à des enjeux. Nous avons évoqué l'importance de l'agriculture familiale. Il s'agit d'un défi constant. Et plus particulièrement dans ce scénario qui ne cesse d'évoluer, de changer. J'ai travaillé très près j'étais au plus près de la communication. La communication est un défi majeur, non seulement pour les gouvernements, mais également pour les individus, les agriculteurs. Il faut encourager cette communication, il faut parler avec les représentants des agriculteurs et agricultrices, et c'est seulement ainsi que nous pouvons montrer quelles sont les contributions faites par l'agriculture familiale, quelles sont les ODS, les ODD, pardon. Il faut donc jeter un regard sur cette durabilité. Il faut aller vers les personnes, les individus. Ici, nous parlons d'individus, de personnes, d'agriculteurs, agricultrices, et il faut être plus efficace lors de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Mais la visibilité est un défi majeur. Après, un autre défi, la génération de biens publics, la démocratisation, l'accès à la technologie, à la connaissance et à l'information. Et je mets le doigt sur l'information, la capacitation, la formation pour l'accès à l'information. Notre pays a déployé de nombreux instruments. Une proposition très intéressante que nous avons déjà, la proposition faite par le secteur privé, mais également la mise à disposition par les États aux médias avec des tarifs avantageux en prenant en compte la territorialisation. Ceci est très important car les individus pourront prendre de meilleures décisions avec une plus forte valeur ajoutée. Et ceci nous donne une plus grande liberté pour que les personnes, les individus décident ce qu'ils souhaitent faire. Et ceci nous permet d'inviter à impliquer les individus dans l'agriculture familiale. Je ne cesse de répéter le fait, reste chez toi, mais nous allons te soutenir, vous allez pouvoir créer des emplois. Mais également, nous ne cessons de répéter ceci à ceux qui n'appartiennent pas à l'agriculture familiale, mais qui trouvent leur place au sein de cette agriculture, car ils ont accès à d'autres outils et ils trouvent une source d'emploi, et ceci va également encourager un certain degré d'interaction. Merci, très bien. Merci beaucoup. Je l'ai vécu personnellement, et je pourrais résumer tout ce que vous venez de dire dans les progrès d'Uruguay, dans ce qui a trait à la traçabilité, une question majeure pour votre pays. L'Uruguay, depuis plus de 10 ans, avance énormément dans ce domaine. Guilherme Brady, nous pourrions parler des heures durant de
ce sujet. Vous êtes donc à la tête du secrétariat de la décennie de l'agriculture familiale. Quelles sont les mesures prioritaires? Que faut-il faire pendant cette deuxième moitié de la décennie pour aller plus loin, pour aller encore plus loin pendant ces premières cinq années? Je crois qu'il nous manque certains mécanismes financiers plus stables à l'échelle mondiale, nous permettant de stimuler ces processus nationaux, tout en sachant que nous ne pouvons pas être présents partout, mais au moins il faut favoriser, il faut encourager, il faut apporter notre petit grain de sable. Il y a une collaboration entre la FAO, le FIDA, la FAO, le FIDA avec des initiatives existantes pour travailler dans ce sens. Mais j'aimerais souligner les défis en lien avec les politiques publiques mises en œuvre à l'égard de la culture familiale. Il y a une plus grande reconnaissance, mais il manque encore un certain degré de compréhension de l'abordage de politique. Tout ce que vient de dire Fernanda, nous sommes conscients du fait que les agriculteurs et agricultrices familiales sont importants et sont au cœur des politiques, mais comment est-ce que l'État s'articule pour pouvoir agir dans ce domaine? Souvent, cette approche n'est pas bien compris. On peut, au travers de cadres légaux, nous pouvons différencier les différents types d'agriculteurs qui sont très divers. Les actions doivent être bien différentes sur la base des objectifs à promouvoir et les nécessités. Il s'agit d'un point supplémentaire. Un autre défi, nous continuons à utiliser la boîte à outils. La boîte à outils de soutien. Cette boîte à outils est une boîte à outils qui devrait être revue car nous l'utilisons depuis de longues dates. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Un défi majeur est d'innover dans la formulation de nouveaux outils soutenant l'agriculture familiale. Ces outils pourraient être éventuellement disponibles dans d'autres domaines. Par exemple, la politique fiscale. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser la politique fiscale pour stimuler l'agriculture familiale ainsi que d'autres politiques? De mieux profiter ces opportunités d'intersectionnalité, il existe des opportunités de cette multidimensionnalité de l'agriculture familiale. Essayer d'être plus présent dans d'autres domaines politique, par exemple les achats publics pour les établissements scolaires. Nous pourrions donc avoir agriculture familiale, santé, alimentation, éducation, ce qui nous permet d'optimiser les ressources qui ne sont pas toujours abondantes, loin de ça, et maximiser les résultats. Avec les mêmes ressources, nous démultiplions les effets, les retombées. Un troisième défi majeur, c'est qu'il existe une nécessité d'identifier des façons d'opérer de façon plus légère. Nous sommes passés très souvent d'une période de désinvestissement, déconstruction, et nous voulons donc revenir à quelque chose qui a existé dans le passé. Cela va prendre du temps. Il faut chercher des façons plus créatives. Il faut comment à pouvoir allier les différents services et, en dernier lieu, récompenser ceux qui travaillent correctement. Je vois qu'il existe un certain vide, car nous recherchons très souvent, nous sanctionnons cet excès de réglementation. C'est une façon de faire de la politique publique, mais il existe d'autres voies. Comment récompenser celui qui travaille correctement et sanctionner ceux qui ne travaillent pas correctement? Et Alberto a mentionné un exemple. L'agriculture familiale a une tendance à bien faire les choses, mais souvent n'est pas toujours récompensée.
comment laisser cela de côté. Il faudra donc nous y atteler à l'avenir. Merci, Guilherme. C'est très intéressant ce que vous dites. Toute crise est une opportunité et tout problème apporte la solution également. Avec toutes ces protestations, j'espère que nous allons pouvoir identifier des solutions politiques nous permettant de dépasser cette situation. Non seulement la crise du moment, mais le faire de façon holistique, intégrale, avec les éléments que vous apportez et qui pourraient nous servir pour mieux connaître la situation. Marco Camagni, la même question. Quels sont les défis et les actions à mettre en œuvre pour relever ces défis? Merci. Beaucoup de questions ont déjà été mentionnées, mais je voudrais, si vous me le permettez, revenir sur une question qui est la suivante. Changer la mentalité des consommateurs. Ce sont les consommateurs qui vont avoir un impact majeur sur la chaîne de valeur du système agroalimentaire. Il existe une perception que nous pouvons continuer à construire par rapport à la qualité des aliments produits par l'agriculture familiale. Mais au-delà du fait de faire de la propagande, il faut renforcer les systèmes pour faire en sorte que les aliments produits respectent les exigences en matière de qualité. Avec la pandémie, cette prise de conscience s'est renforcée. La santé est au cœur maintenant de toutes les politiques de santé. Comment également mettre fin aux barrières, aux obstacles qui nous guident vers ces agriculteurs familiaux? Il y a des pays qui ont des systèmes de qualité très exigeants qui ne permettent pas l'agriculture familiale de fleurir. Et il y a également des procédures peu aimables. Dans ce sens, j'ai eu l'occasion de me déplacer au Brésil et j'ai entendu dire par des agriculteurs qu'il fallait qu'ils paient pendant 3 mois des sanctions. Le changement ou le dérèglement climatique a été mentionné à plusieurs reprises, mais je voudrais mentionner 2 ou 3 initiatives que nous avons entreprises. Le FIDA, on l'a dit, il y a le forum du paysan où les agriculteurs s'entretiennent avec le FIDA et avec les gouvernements. C'est un débat tripartite et c'est une expérience qui a déjà une 20aine d'années. Nous avons mené des programmes spécifiques. Alberto a évoqué les organisations en tant qu'un centre. Et nous avons également un partenaire, l'Union européenne, qui nous soutient. Et nous espérons donc avancer à l'avenir. Ces organisations deviennent plus crédibles lorsqu'elles abordent des politiques en la matière. Et également, il y a une autre initiative qui va être lancée cette année. Je la mentionne car le Forum rural mondial aux côtés de la FAO va soutenir de façon sélective certains pays, c'est-à-dire ces pays vont pouvoir passer du débat, de la discussion à l'action. C'est-à-dire il s'agit de soutenir certaines stratégies et les transformer en action. Et nous allons le faire cette année. Et nous essayons également, bien sûr, d'identifier les portefeuilles du FIDA dans les différents pays. Et j'espère que cela nous permettra d'obtenir des résultats et de pouvoir nous munir de plus de ressources. Merci, merci Marco. Nous savons que le FIDA est un accueil le secrétariat du comité de gestion internationale de la décennie. Le FIDA a un mandat très spécifique qui est celui d'encourager le développement rural sans laisser personne
de côté. Nous allons passer la parole à M. Javier Sánchez. Donc, selon Via Campesina, quels sont ces obstacles qui vous empêchent d'accéder aux aides publiques? Quelles sont les actions à mener pour continuer à aller de l'avant, pour essayer d'encourager ce cercle vertueux avec les apprentissages acquis et face aux défis auxquels se heurtent les agriculteurs? Merci. Cette question est beaucoup plus difficile que la précédente. Nous aurions besoin de 2 heures au moins pour l'aborder. Je saisis cette opportunité pour mentionner que l'un de ces défis, peut-être le plus facile, c'est que nous allons collaborer avec OMA pour établir une rotation en matière d'apprentissage, de formation, toute notre expérience sur place, là où nous avons bien travaillé ou là où nous avons rencontré quelques obstacles. Et c'est un thème que nous allons échanger avec OMA, l'Organisation mondiale des agriculteurs. Deuxième lieu, je tiens également à évoquer le fait que le vice-ministre du gouvernement basque a évoqué les mobilisations, les manifestations. Le seul endroit où il se manifeste avec des tracteurs, etc., la charrette, c'est pas seulement en Europe qu'il se manifeste. En Inde aussi, il y a des manifestations pour défendre leur prix. Pourquoi est-ce que nous souhaitons parler de l'environnement? Et il nous faut résoudre énormément de problèmes qui sont liés au dérèglement climatique. Mais avec l'excuse du céréal d'Ukraine, les céréales ont baissé après une année de sécheresse. Comment un jeune qui vient juste de rejoindre ce secteur peut-il survivre? Les jeunes hésitent encore à aller au Fonds mondial d'alimentation. Nous essayons de les convaincre à ce qu'il faut qu'ils assistent à ce type de rencontre pour que l'on parle de notre situation. Et pourquoi est-ce que Via Campesina est née? Parce que d'autres ne faisaient pas porter notre voix. Il faut que nous passions le message. Donc, au travers de cette réflexion très brève, pourquoi le modèle d'agriculture familiale est détruit? Non pas par les tentatives des gouvernements, mais parce qu'il y a un manque de ressources, de capacités. Donc il faut être clair, parlons clair. Il n'y a aucune entreprise pouvant aller à ma commune, soutenue par tout type de gouvernement, et installée sans éolienne, non seulement chez moi, mais dans d'autres communes avoisinantes. Nous ne pouvons pas mettre fin à ce type d'action. Et c'est un défi majeur. Et cela nous concerne. Il faut renforcer les gouvernements pour qu'ils puissent être à nos côtés et qu'ils puissent freiner, stopper cette situation. Ils sont capables de promulguer une loi de restauration de la nature et après ils viennent envahir ces espaces avec leur éolienne. C'est incroyable. C'est un défi important. Donc, pour nous, pour la Via Campesina 2023, a été très important. Lors de la rencontre internationale des femmes d'école de formation au Mozambique, la rencontre à Banten en Indonésie. Ceci est notre feuille de route. La prochaine fois que la Via Campesina est invitée, il faudra que ce soit une femme et si possible jeune. Moi, je suis âgée déjà, mais et au travers de ces mobilisations, pendant ces 17 dernières, les 17 dernières années, nous avons eu une disparition de 80 exploitations agricoles par jour. 80% des aides et des impôts
sont destinés à 20% des exploitations. De ce 20%, 10% ont gagné énormément d'argent. Pendant la pandémie, hors pandémie, ça coûte combien un drone? Un drone ukrainien ou un drone russe, ça coûte combien un drone? Nous pourrions utiliser cet argent pour d'autres fins. Mais il faut donc limiter cette militarisation. C'est un message que nous allons faire passer. Il faut absolument insister sur cela. Nous ne pouvons pas avancer pour alimenter la planète à partir d'un modèle social si ce n'est pas à partir de la paix. Construisons la paix pour alimenter le monde. C'est une question clé. Et lorsque nous parlons de la chaîne alimentaire, le vice-ministre l'a mentionné, la chaîne alimentaire, la fixation des prix, le seul pays de l'Union européenne qui a une loi sur la chaîne alimentaire, c'est l'Espagne. Il y a un article qui dit qu'il ne peut pas y avoir des prix en-delà du prix de revient et de production. Il faudra insister sur cela. Nous pouvons dire oui, il existe une loi, mais il faut, comme l'a dit Mme Béronia, il faut faire en sorte que cela puisse s'appliquer, que nous puissions garantir des revenus. Si dans un programme réel, quels sont les jeunes qui vont vouloir travailler dans ce contexte? Et vous avez tout dit. Tout a été dit pratiquement. Et les synergies. Il faut que nous travaillions ensemble. Merci. Javier, por supuesto, todos sabemos que los gobernantes se ven. Nous savons tout ce que les élus politiques ont le devoir de garantir la création d'emplois dans l'agriculture, que les agriculteurs ne puissent gagner leur vie et que les aliments soient à un bon prix. Ils perdent des voix s'ils ne font pas cela. Maintenir cet équilibre est extrêmement compliqué. C'est pour cette raison que je ne vais jamais mettre mon nom sur la table pour être le chef de gouvernement ou politique. Voilà. Il faut donc... Andrea, nous allons passer... Que pouvez-vous nous dire de l'Organisation mondiale des agriculteurs? Quels sont les grands défis à l'horizon pour la deuxième moitié de cette décennie? Quelles sont les priorités que vous identifiez pour essayer de promouvoir nos piliers, nos objectifs? Je vais commencer en évoquant le commentaire du jeune qui a pris la parole précédemment. Le défi majeur est de faciliter l'accès des organisations d'agriculteurs à la table de prise de décision. Les organisations d'agriculteurs et agricultrices doivent s'asseoir à la même table et doivent faire passer le message et leur demande pour qu'elles soient reprises dans les politiques publiques. J'aime citer des chiffres. La moitié de la population vit dans des zones rurales et leur survie dépend de l'agriculture. 80 millions d'exploitations familiales. Il s'agit d'un demi-million d'exploitations agricoles dont 80% sont des petites exploitations, des petites exploitations. Mais en Espagne, les agriculteurs familiaux ne sont pas représentés aux plus grandes instances, hélas, ou là où les décisions sont prises. Dans de nombreux pays, les jeunes et les femmes sont systématiquement exclus de la prise de décision. Ne l'oublions pas. Et parfois, cela obéit à des motivations culturelles ou à une dynamique de pouvoir. Quoi qu'il en soit, il est important qu'au niveau local, régional et national, on soit le plus inclusif possible avec les jeunes et les femmes.
il était très important que les organisations d'agriculteurs familiaux puissent faire partager leur position et que tout cela puisse se matérialiser dans la pratique. Pour les 5 prochaines années, il faudra former les organisations agricoles à tous les niveaux et au niveau national aussi. Une formation, il faut du personnel pour ces organisations, du personnel dûment formé dans les connaissances, les méthodologies, afin de transférer et transmettre les demandes des agriculteurs d'une manière efficace et pour qu'il y ait des politiques qui soient mises en œuvre. Et enfin, il faut donc créer des espaces inclusifs propices au consensus. Ce matin, il y a eu un intervenant de la FIDA et une représentante de la FAO. Nous voyons que les agriculteurs perçoivent parfois un prix ridicule, un tout petit pourcentage du prix de vente d'un aliment. Et pour nous, il est important qu'il y ait un financement direct du climat. Un ami me dit l'expression suivante, lorsque tu es en rouge, il faut que tu passes au vert, à l'organique, au bio. Et, bon, tout est aligné avec ce que Javier disait tout à l'heure. Javier de Bia Campesina en parle beaucoup dans le contexte du comité pour la sécurité alimentaire. On parle beaucoup de tout cela sur les plateformes. On a beaucoup parlé des engagements, mais la réalité, c'est que les agriculteurs affiliés, par exemple à l'OMA ou au Forum Rural Mondial ou à la Bia Campesina, sont des agriculteurs qui partagent leurs préoccupations, leurs intérêts aussi. Et leurs préoccupations ne sont pas suffisamment écoutées. Et une de ces préoccupations, c'est la formation. Vous en avez parlé justement. Le ministre d'Agriculture de mon pays, Limber Cruz, donc je parle de la République dominicaine, dans les derniers jours s'est réuni avec différentes personnes, et moi-même aussi. Et je lui ai demandé, si tu voulais demander quelque chose à la FAO, qu'est-ce que tu lui demanderais pour la coopération technique? Et il m'a répondu, il va falloir que je demande 50 choses différentes. Mais si tu me menaces et tu me dis que je ne peux demander qu'une chose, ça serait la formation, développer les capacités. Donc c'est pour ça, il faut de la formation pour les organisations. Et il faut parler de la mise en œuvre des politiques. Alberto, tu as des positions, des postes dans la COPROFAM et le Forum Rural Mondial. Quels sont les défis et les éventuelles solutions? Je pense que mes collègues l'ont déjà dit, il n'y a pas un seul problème. Nous en avons de nombreux problèmes et ils sont partagés. Et nous avons les défis à peu près tous les mêmes. Mais moi, je vois qu'il y a un énorme défi qui dépasse le niveau des gouvernements, ça dépasse les multinationales, ça dépasse les organisations. C'est les systèmes alimentaires. Ce n'est pas sain. Ce sont des systèmes injustes et peu sains. Nous avons 5-6 entreprises qui dominent tout dans le monde. Les semences, l'industrialisation, l'agro-industrie, et ce qui fait que dans le monde entier, on mange à peu près la même chose. 70% des aliments sont les mêmes partout. Vous pouvez aller dans les supermarchés en Afrique, en Europe, en Asie. Vous voyez, il y a les mêmes produits. C'est un gros problème. C'est un système injuste dans les systèmes alimentaires gérés par les multinationales. Nous avons besoin de résoudre ce problème de la concentration des ressources naturelles. Nous ne pouvons pas oublier cela. La terre est concentrée chaque jour dans le monde entier. Les petits agriculteurs sont de plus en plus petits. Il y a une réduction de leur territoire. Et il faut parler des ressources naturelles comme la terre et l'eau. Nous avons un énorme défi. On en parle beaucoup et les conférenciers aujourd'hui l'ont évoqué. Moi, j'ai une grande concordance avec eux. Il faut un système d'agriculture familiale avec des piliers. Piliers sociaux, piliers
environnemental et pilier économique. On parle très peu de la question économique de l'agriculture familiale. Aucun jeune, aucun agriculteur ne va rester à la campagne s'il n'arrive à payer le coût de production. Personne ne peut être agriculteur sans pouvoir payer les frais. Comment voulons-nous que les jeunes restent à la campagne et soient agriculteurs s'ils ne peuvent même pas payer leur subsistance? Il y a les piliers social, environnemental, mais économique et financier, bien sûr. Et le pilier du développement pourrait être développé. Nous, on vit à la campagne, on doit avoir accès au développement et à l'éducation. Pourquoi pas avoir accès à la santé, à l'information? Et on a beaucoup parlé de l'Europe ici. On veut tellement technifier l'agriculture. On a Internet à la campagne. Et pour comment technifier dans beaucoup de territoires, il n'y a pas accès à Internet. Comment associer ce pilier du développement? Donc, il y a de nombreux défis, il y a de belles perspectives aussi, parce que tout le monde doit manger, n'est-ce pas? Tous les jours. C'est pour cela que je parlais du lancement de l'agriculture familiale à Rome. On a tous besoin d'un médecin, n'est-ce pas? Mais pas tous les jours. Mais pour vivre, il nous faut manger tous les jours. Et on a besoin des agriculteurs tous les jours. Donc, il faut faire face à ce grand défi. Je crois que des tables rondes où le FIDA ou la FAO sont ensemble, il faut qu'ils soient plus fortement liés. La TMEA aussi, d'autres organismes. Il faut qu'il y ait un plus grand lien entre les organisations. N'oubliez pas d'écouter les organisations des agriculteurs. Ne les oubliez pas, il faut les écouter. Il n'y a pas qu'une reconnaissance, c'est très joli de reconnaître, renforcer les organisations. Mais s'il n'y a pas de ressources, s'il n'y a pas de politique publique pour pouvoir financer ce qui se passe dans la campagne, sur les territoires, nous n'irons nulle part. Il faut que les gouvernements montrent une action dans la pratique, dans la réalité. Car il y a beaucoup, beaucoup de discours. Mais dans la pratique, dans le quotidien, lorsqu'on regarde les budgets pour l'agriculture familiale dans chaque pays, ça représente 0,00, je ne sais pas quoi, combien, mais il faut discuter des comptes, qui paye les comptes. Merci. Es un aplauso para todos los... Bon, alors, un applaudissement. On a terminé donc la deuxième ronde de questions. Et maintenant, nous avons une nouvelle interaction avec le public. Vous pouvez demander un micro pour poser votre question. Nous n'avons que 10 minutes. Avant de conclure cette session et cette table ronde du forum, merci beaucoup. Je vais parler en anglais. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à tous les intervenants. Je m'appelle Christina. Je travaille pour la International Land Coalition, la Coalition internationale de la Terre. J'ai une question vis-à-vis des droits de propriété foncière. Merci, Alberto. J'ai une question pour tous les intervenants. Il y a 2 ans, nous avons lancé un rapport qui mettait en évidence la distribution inégale de la Terre. Alberto en a parlé tout à l'heure. L'inégalité dans la propriété de la Terre, ça, c'est un grave problème, mais aucun d'entre vous n'avait décrit ce problème de la propriété foncière comme une des réalisations dans le cadre des 5 premières années de la décennie. Je ne parle pas seulement de la terre comme ressource naturelle qu'il faut restaurer et à laquelle il faut accéder, mais la terre comme un droit pour les agriculteurs afin de pouvoir développer leur projet de vie. À eux et leur famille en vue de produire des aliments d'une manière durable et aller vers l'agroécologie. En quelle mesure pensez-vous que cette question des droits de propriété foncière a avancé? Est-ce que c'est encore
gros défis pour les 5 prochaines années. Oui, alors Javier, Alberto et d'autres personnes avons travaillé dans le comité pour la sécurité alimentaire. Ce comité aborde les droits de propriété foncière et il y a eu des recommandations du comité. C'est des ressources très utiles, ces recommandations. Nous nous sommes assis avec le gouvernement, avec la société civile, le secteur privé et toutes les parties prenantes pour rédiger les orientations. Et j'aimerais donner la parole à nos intervenants pour cette question du public. Un des combats, des négociations les plus importantes lorsque on a récupéré le comité de sécurité alimentaire pour qu'il s'occupe de la construction de politique publique qui touche le modèle social et à l'agriculture à petite échelle, c'était justement les directives pour la gouvernance de la propriété foncière, de la propriété de la pêche et des forêts. Il y a eu 4 années de négociations dans le contexte de la santé alimentaire et la nutrition. Oui, merci. Oui, je résume. Alors, effectivement, Bia Campesina et d'autres organisations ont créé des documents pédagogiques parce que le langage politique et tout ce qui est écrit dans les institutions, parfois, on ne s'est pas compris. Et on m'a dit, mais on n'a pas parlé de ça au niveau positif parce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu un effort là-dessus sur la propriété foncière. Les gouvernements concentrent des gens très puissants, y compris les gouvernements européens. Imaginons, on confronte les multinationales qui manient plus d'argent que son pays ensemble. Donc, ça nous mènerait à un autre débat. Comment est-il possible, et Alberto l'a déjà dit, que des jeunes n'aient pas accès à la terre, n'aient pas accès au financement, qui n'ont pas accès à l'eau ni aux politiques publiques? Comment vont-ils s'installer? Comment dépasser la bureaucratie? Parce que c'est l'économie d'échelle qui gagne grâce à la bureaucratie. Pourquoi est-ce que l'Union européenne oblige à la bureaucratie? Parce que Bill Gates a des avocats tout autour de lui qui font tous ces papiers. Mais nous, par exemple, on doit justifier une culture parce que un satellite a fait une photo et la photo est faite toutes les 4 jours. Il faut qu'on fasse une photo géoréférencée, pas pour notre village, pour dire que j'ai du blé, mais non. Je dois faire la photo géoréférencée pour qu'une entreprise externe, à partir des données infrarouges du satellite, nous disent s'il y avait du blé ou pas, là. Mais ça, ce n'est pas la partie positive, c'est quelque chose qui est en suspens. En décembre 2018, avant Noël, le cadeau de Papa Noël, c'était d'avoir une déclaration des droits des paysans et des travailleurs ruraux. On peut dire, enfin, nous avons un groupe de travail pour mettre en œuvre ces recommandations. Et tous les pays qui ont soutenu cela, cette déclaration, on se demande pourquoi l'Union européenne s'est abstenue. Nous sommes les champions des valeurs, n'est-ce pas? Mais valeurs de quoi? Mais je ne voulais pas être très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Je ne veux pas vous mettre le satellite sur la tête à chacun d'entre vous. À mon âge, j'en ai marre de ces satellites. Je vais être ici en tant qu'invité, je ne vais pas trop critiquer. Mais c'est ma réflexion. C'est une affaire en suspens. Et cela ne peut être résolu que par la gestion publique, parce que la gestion privée ne le permet pas. Tu viens dans mon village, il y a toujours 10 000 hectares de terre communale. Cette entreprise électrique à placer 100 éoliennes. Et la loi protège cette entreprise. Maintenant, il faut mener cette bataille. Mais voilà la situation. Et il est fondamental d'insister sur
sur ces droits. Plus de 60%, nous avons plus de 55 ans. On est très vieux à la campagne. La relève générationnelle est importante si on veut survivre, si on veut une souveraineté alimentaire, si on veut que les gouvernements puissent faire ce qu'ils désirent, c'est-à-dire, et prioritairement, alimenter les peuples. Une question longue qui exigeait une question longue. Alors, la République dominicaine a été co-partenaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Prochaine question, il y a quelqu'un ici qui a déjà le micro à la main. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Merci à tous les intervenants, j'ai deux questions. Que l'on aime ou pas, il y a une colonisation génétique dans le monde des semences. Nous perdons l'identité de nos semences. Les OGM ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce qui est culturellement acceptable dans le monde des semences. En tant que producteurs à petite échelle et agriculteurs familiaux, nous sommes très préoccupés parce que dans notre vie, notre subsistance est en danger. Le fait d'introduire des intrants chimiques, des fertilisants chimiques, on disait que c'était positif, c'est un mensonge. Cela affecte notre santé, notre terre. Quelle est la norme pour la FAO? Comment allez-vous protéger notre identité? Nous sommes dans une véritable colonisation génétique. Alors, nous allons donner une réponse brève à cette question, Guillermo. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, j'essaierai de vous répondre. C'est une question importante. Alors, ce que l'on tente de faire, c'est de travailler avec les gouvernements pour soutenir l'agriculture familiale, en protégeant les connaissances, les acquis traditionnels, les pratiques culturelles, la terre, pour proposer un cadre et un environnement afin que les pays puissent soutenir leurs agriculteurs nationaux, familiaux. Malheureusement, nous ne pouvons pas résoudre cette confrontation qui existe. La décennie promeut le soutien à l'agriculture familiale. Il y a de nombreuses expériences intéressantes dans différentes organisations, surtout les systèmes de semences, la Crop Trust, les banques de semences. Ça existe et ça, c'était juste un exemple de ce que je disais tout à l'heure, comment ce type d'expérience des organisations peuvent est un appui complémentaire pour les gouvernements des différents pays afin de fournir des services aux agriculteurs. Il y a eu une étude très intéressante dans une région du Brésil pendant la COVID pour évaluer la situation des agriculteurs là-bas. Ceux qui avaient leurs semences arrivaient à avoir leur propre production et ont pu survivre dans une situation d'isolation pendant la pandémie. Donc, c'est très lié à la résilience des agriculteurs. Ce type de système traditionnel de culture et de semences et de banque de semences, ce sont des politiques et des programmes très importants à renforcer par les gouvernements locaux. Donc, nous n'avons plus de temps. Merci beaucoup à toutes et à tous. Un fort applaudissement à tous les intervenants de cette table ronde. Muchísimas gracias por sus valiosos. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette table ronde. Maintenant, nous allons faire une pause pour le repas. On revient à 15 heures. Avez-vous perdu des clés? Je les ai ici, si vous avez perdu vos clés. C'est les clés de la liberté, c'est ça. Je vais les garder, et si quelqu'un les a perdues, je suis là. Bon appétit !